Bonjour, soyez patient. J'arrive. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Bien joué. On nul lui. Lui, oh là là, il est vraiment éclaté au sol. Regarde, regarde, regarde ce skin. Hop là, juste avant que ça arrive. Non, mais pourquoi? Maybe come back. Won't you be the man? Ouais, il me la met. Il est au couloir. Merde, j'appuie sur le mauvais bouton. J'appuie sur le mauvais bouton. Vite, faut le tuer. Même moi, parfois, quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me faire l'amour. Nice! C'est vrai, c'est Michael Jackson. Et a bit of genie, it's not my love. Il arrive sur moi, il arrive sur moi, il me tue, il me tue. Non, il s'est TP. Il s'appelle vraiment Michael Jackson. Alors, mon petit gars. Ah ouais. J'ai fait le test pour le Covid aujourd'hui, sensation la plus désagréable que j'ai jamais vécue. Alors, tu n'as peut-être pas essayé la sodomie. Si tu veux pas finir à la Poppy a donné 1 euro. Merci mec, pour m'acheter bah, rien du coup. Le plaisir d'une bonne grosse banane. Allez, allez. Chargez. Bah non, va pas plus vite. Une bonne grosse bien mûre. Moi je me débrouille comme je peux. Ça fait maintenant 2 ans hein, que je joue à mon gosse et que pourtant j'ai jamais été imposteur. Par une voiture à 2 pneus, évitons donc de se faire écraser. Oh ben... Yeah! Vigile, vigile! Il est dans le couloir avec un tapis rouge qui donne sur la cuisine à côté du Babylone. Mais si, tu sais, celui qui est entre la cuisine et Babylone et qui ressemble un petit peu au main, mais de l'autre côté de la map, là où ton pote Dark 6 PS4, il avait fait un kill au doigt avec une putain de WhatsApp avec caméra, même si c'était le seul et unique frag qu'il avait fait pendant toute la partie, cet énorme fils de. J'ai jamais été imposteur, hein. Je pense que je me fais victimiser par le jeu, hein, tout simplement. Hein. On est les animaniacs. On a les contracts. Faut que tu fasses le tour, faut que tu fasses le tour. Non, faut que tu me laisses sortir. Oh il a, non il a vraiment claqué. Non, non. Oh tu m'as troll, Fiscal. Allez relax, les bananas, les animaniacs. Yo, you need a man pack. Joue pas trop avec moi, mec. Il est touché en rouge. Redevient poussière. 6, 4. La grosse coccinelle, hein? On la gratouille? Oui, 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 allez, ferme ta gueule. Ah, bon couteau. C'est 6-4. Petit Q. Grand S. Ouais, ah non, non. Quand je les prends, je pense que je vais payer ou... Oh! Double citadelle. Il a pris 19 000 le Sletana. Ça m'énerve ça sérieusement, les gens qui écorchent mon pseudo. Un petit cul. Oui petit cul. Oui, oui, oui petit cul. Dans la vraie vie, dans le pseudo. Attention, ici c'est l'école. La vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Ah. Ouais, ça va, ouais. Et toi, ça va? Ouais. C'est toi qui allume la lumière? Ok. Hein? Il est déjà 11h? Ah, ok. Bah. Battlefield? Ah, ok. Oh, ça. Oh, si, ouais. Oh, si, si. Oh. Ouais, 10-12 heures de live, là, on est bien, là. Hein? Là, ça fait 40 heures qu'on est sur Battlefield, ouais. Ah, ouais, Orbital, je la connais bien maintenant, ouais. Ouais. Ouais, j'ai compté les goélands hier. Il y en a 127. Oh, ça. Ils sont là? Ok. Ah, bonjour. Hey! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Salty Academy? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. Pas du tout, il est déjà 11h donc tranquille. Voilà quoi. Mais pourquoi tu ouvres à 11h? Bah, je sais pas, c'est la bêta, c'est la bêta. Parce que j'anticipe déjà, les amis, le fait que. À la fin de la bêta, je vais être en mode oh, vite, vite, vite la release. Donc là, en fait, je me gave. En fait, je me gave jusqu'à me dégoûter. C'est absolument, absolument immature. Let's go. Rentrez. Oh là 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 là. Le mec, il accueille tout le monde en toussant et tout. Bon, ça va tout le monde? Ça va bien? Hein? Comment vous allez? Alright. Comment ça va mon streamer favori aujourd'hui? Tu peux lui demander, Six? Attends, j'ai rien compris. Comment va mon streamer favori aujourd'hui? Tu peux lui demander, Six? Elle est pas mal, elle est pas mal. J'aime bien. C'est qui du coup ton streamer favori? Vas-y, dis-moi. C'est qui ton streamer favori? Comment mon streamer favori? Tu peux lui demander Six. Si t'avais pas fait une grosse faute horrible à favori, j'aurais encore plus ri du coup. Ah. Mmh. Ça va tranquille. Bien, nickel. Bon, ok, je bois ce café. Alright, je finis ce café et on y va. On a fait 15 heures le premier jour de Battlefield, ok? Et 15 heures de live, de facto. On a fait 12 heures le deuxième et 11 heures le deuxième. Et le troisième, hier en fait quoi. Donc voilà, donc on va y retourner aujourd'hui. Et à mon avis demain matin aussi. Oh, quoique demain matin c'est fini à 10h je crois. Je suis en train de réfléchir. T'es pas dégoûté du jeu avec autant d'heures de jeu? Lolo, Lolo, Kansas. Kansas. Il est quelle heure là? Il est quelle heure mon petit voix? Il est quelle heure mon petit loup? La voix du réveil, mais ça fait 2 heures que je suis debout au final, mais c'est quand je bois le café. Il est quelle heure? Ok? Il est 11h du matin. Ok? En règle générale, j'ouvre les portes du campus à 15h. Ok? Vraiment. Tu crois vraiment que je lancerais le live, honnêtement, si j'étais dégoûté du truc? C'est quand je lance à 15h30 que tu peux te dire, ouais, voilà quoi. Qu'il peut y avoir un problème, tu vois. Ah, moi c'est très clair, hein. moi je suis, on peut lire en moi comme dans un livre ouvert, il n'y a pas de truc quoi. C'est clair que quand il faut faire du Rainbow Six pendant 4 heures, à 15h30, ouais ça commence à me saouler quoi. Souvent tu sais, il y a un truc qui s'appelle l'inconscient quand même, tu vois. Hein, y a une espèce d'acte manqué quoi, tu vois. Quand tu commences à arriver en retard au boulot pendant, pendant 2 ans, alors que quand t'es motivé et t'arrives pas en retard, il y a peut-être un truc à analyser, tu vois. Il y a un truc qui s'appelle l'acte manqué, en fait. Le fait que ton inconscient t'envoie des messages que t'as pas forcément envie de lire, tu vois. Voilà, quoi. Non, quand je lance à 11h, non, c'est juste parce que je kiffe ma race sur le jeu, quoi. Vraiment. Vraiment, c'est tout. Après, c'est pas, un scud pour n'importe quel jeu. Hein. C'était pareil sur Valo, c'était pareil sur... Voilà, quoi. C'est juste que tu... Je pense que forcément... Enfin, tu peux pas être passionné d'un truc sur la durée, quoi. Sur une longue durée. Il y a forcément... Enfin, par définition, la passion est un truc qui a... La passion, c'est un CDD pour moi. Je pense. Alors après, tu détermines la durée là-dessus, quoi. Mais tu vois, les personnes qui sont passionnées toute leur vie d'un truc, c'est dur, quand même. C'est vraiment dur, quoi. C'est dur. La passion, d'ailleurs, est-ce que la définition, c'est pas du coup d'avoir un truc, au final, quelque chose d'établi sur une certaine durée et d'intense. Donc voilà, quoi. Profite bien, alors. Ah non, je kiffe. C'est comme partout, ouais. Merci évidemment, El Pablocito, d'avoir offert la possibilité à Hunter Broad Safer. C'est 2 mois de frais de scolarité. Merci Darkus pour les 9 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres, les amis. Sachez-le, vraiment, ça me touche énormément. Voilà, quoi. Non, mais voilà. Et puis après, c'est toujours pareil. Là, vous êtes nombreux. Là, on est... Voilà, on vient juste d'ouvrir le live. On est déjà 250, etc. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'ai envie de vous... Je suis un donneur de plaisir. J'ai envie de donner du plaisir, tu vois. Quand ça gratte et tout, machin, etc. Et qu'on est 90 quand on lance le live, etc. Forcément, c'est la spirale de la loose. C'est la spirale de la loose, tu vois. God damn it. Et sinon, tu viens tout droit du live de Samuel Etienne? Non, mais je regarde très peu de contenu, moi, tout fif. Je regarde très peu de contenu. C'était quand même assez drôle hier. Hein. C'était quand même assez drôle. Hein. Je pense qu'il est jamais venu sur mon live. Hein. Voilà. J'y pensais encore ce matin. Pour être tout à fait transparent, j'y pensais encore ce matin. Parce que du coup, bon, c'est toujours un host, tu vois. Le host est toujours quelque chose que tu n'as pas décidé, ok? À moins de l'avoir vu avec la personne, quoi. Ça m'est rarement arrivé, à part à l'époque où on était avec Mary, où on s'accordait sur le fait qu'à la fin d'un live, l'un host l'autre. Bon, c'était une espèce d'accord tacite, en fait, tu vois. Mais là, en l'occurrence, je m'attends pas à ce que Samuel Etienne me host, quoi. Et je pense pas qu'ils connaissent le contenu de la Salty Academy, en l'occurrence. Donc c'est très compliqué, parce que tu te retrouves dans un truc où tu fais « Hey, salut tout le monde !» Forcément, hein, tu fais ton taf, tu vois. Mais d'un autre côté... il a pris... Et c'est vrai qu'il a pris quelques scuds sur le campus de la Salty Academy de temps en temps. Il y a eu quelques tacles, ouais. Voilà. T'as beaucoup dormi, ça se voit au niveau de tes yeux. Ok, super. T'as pas beaucoup, tu veux dire, ouais. Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Tu vois, si t'étais un viewer de Samuel Etienne, tu ferais pas ce genre de petites réflexions, quoi. Hein, voilà. T'es level combien sur BF, là? Je dois être level 30. Je dois être level 31, 32. Non, on était 36 hier. Voilà. Et c'est pas juste... J'insiste là-dessus. J'apprécie beaucoup Samuel Etienne. Hein. Vraiment, le mec est vraiment cool, etc. La plupart du temps, quand il y a eu des scuds qui ont été envoyés, en toute transparence, etc., c'est la plupart du temps, c'est de l'humour, ok? Bon, c'est de l'humour avec un message quand même. Parce que je veux pas faire genre, ouais, je fais de l'humour, c'est juste de l'humour, voilà, alors que je veux faire passer un message. Oui, il y a un message. J'ai un peu du mal avec le 100% bienveillance, en fait. J'ai un peu du mal avec le 100% bienveillance. Juste ça. Parce que souvent, ça cache pas mal de choses, ok? Je le pense, vraiment. Et je pense que, les personnalités publiques, plutôt que d'être dans une volonté, en fait, de dire, ouh, on devrait être tous bien, on devrait tous s'aimer, tous machin, etc. Je pense pas. C'est ce que j'étais en train de réfléchir à ça sous la douche ce matin. Je pense pas. Je pense que les... Enfin, je sais pas, à mon échelle, je pense que les personnalités publiques devraient juste, au contraire, être plus humaines. Et les humains... On a plein de défauts. On peut pas être... D'avoir des personnes qui renvoient des visions aussi parfaites, à mon avis, c'est ça qui crée parfois, des gros moments de doute et des gros moments de noirceur chez d'autres au final. Parce que ça met la barre très très haute quelque part. En se disant, putain, mais ces personnes-là, c'est ouf quoi. Ils bossent, ils se lèvent le matin, ils ont le smile dès qu'ils se lèvent. C'est des bons pères de famille. Ils travaillent énormément, ils gagnent bien leur vie, mais ils sont machin. Et ça met une barre extrêmement haute, et pour certains, qui sera jamais atteignable. Jamais atteignable. Non, je pense que... Je pense pas. Je pense qu'il est important de rappeler qu'on est humain, que tout le monde a des... Je citerai un psychologue que je suis allé voir il y a 3 ans. Il dit tous les humains ont des pensées dégueulasses. Tous. Malgré les apparences, malgré les postures, etc. Tous les humains sur cette planète ont des pensées dégueulasses. À un moment peut-être de ma life où le compas partait dans tous les sens. Le compas, pardon, la boussole. Où la boussole, de temps en temps, tu sais pas dans quel sens aller, etc. Et c'est important de se rappeler que toutes les personnes qui veulent te donner cette espèce de posture de « Waouh, on est absolument exceptionnel, etc. » machin. Il y a des moments où quand le compas, tu sais pas où t'en es dans ta life, etc. Et quand tu regardes ces personnes-là, tu te dis « Putain, mais c'est ouf, quoi. » Mais nique sa mère, en fait. J'ai plus envie d'avancer, quoi. J'ai plus envie d'avancer parce que jamais je pourrais atteindre ne serait-ce qu'un dixième de ce que ces personnes représentent. Et c'est pas mal que ces personnes, au final, de temps en temps, plutôt partagent, j'en avais déjà fait part sur Twitter une fois, partagent au contraire les problèmes par lesquels ils passent, disent « Voilà, ce matin, je me suis réveillé et je me suis engueulé avec un mec dans la rue parce qu'il m'a fait chier, parce que j'étais en vélo, il m'a coupé la priorité et je l'ai insulté de gros con, voilà, et je suis parti, quoi. » Ah putain, la vache. Lui aussi, ça lui arrive de temps en temps de... d'insulter une personne comme ça, et voilà, quoi. Même si 2 minutes après, il va se dire « Putain, j'aurais jamais dû dire ça, ça se fait pas, etc. » Voilà, quoi. Il lui arrive quoi? Il est au bout du rouleau? Non, 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 je parlais de... en l'occurrence, je parlais du host de Samuel Etienne qui a eu hier, etc., machin. Et de dire... Bah, t'avais qu'à être là, ok? T'avais qu'à être là dès le début du live. Putain, merde, je vais pas reprendre le truc, quoi. Quand le film, il est commencé, t'arrives, tu fais « Oh! Il se passe quoi, là? Ah, je viens d'arriver, moi, j'ai une demi-heure de retard. Non, parce que la meuf, là, dans le désert, là, avec les yeux bleus, pourquoi elle fait ça, en fait? C'est 21h, la séance. Pas 22h30. Tu t'assois, tu fermes ta gueule ou tu te casses. Il est ouf, lui. Et du coup, en fait, moi, c'est ce que je me disais dans mon truc, dans ma douche ce matin. C'est là où tu réfléchis le plus, j'ai l'impression. Je me disais, de temps en temps... Pour compenser, en fait, ça, tu vois, pour compenser ça, parce que je pense que la société est un équilibre, tu vois. Pour compenser ça, en fait, la plupart du temps, moi, j'aime la justice, en fait. Après, bon, j'ai pas toujours été juste, hein, mais j'aime la justice, j'aime la justesse. J'ai toujours du mal avec les trucs que je considère comme des inégalités. Et souvent, du coup, quand on va me dire, même si une personne va me dire « oui, 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 oui », et que je suis totalement d'accord avec lui, parfois, s'il y a trop de oui, je vais me mettre vraiment dans la position du non, en fait, quoi. Juste par, je sais pas, est-ce que c'est par esprit d'opposition? Est-ce que c'est juste pour compenser un petit peu, tu vois? Voilà. Et donc, du coup, quand j'ai des personnes qui sont dans une logique de bienveillance, j'appellerais presque ça, pour noircir un peu le trait, et en faire presque une blague, de bisounoursisme, j'ai tendance à me mettre dans la posture, dans la position inverse, en fait, en disant « Wow, 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 ok ?» N'oublions pas ci, n'oublions pas ça, faisons des blagues là-dessus, c'est important de rigoler, c'est important de se mettre dans une position sarcastique, c'est important. Ne nous faites pas chier avec votre bienveillance absolue, etc., etc., etc. Ah, d'accord. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Le sub-goal du GR20 est battu ou t'as juste enlevé? Il a été enlevé, il a été enlevé. On n'a pas fait le GR20. Je suis totalement d'accord avec toi, Six. Ça peut faire naître des complexes. Ouais, grave. Clairement, ouais. Pas forcément des complexes, tu vois. Pas forcément des complexes. Pas forcément... Enfin, peut-être des complexes, ouais, je sais pas. Mais ouais, j'ai du mal avec des trucs qui seront trop d'un côté ou trop de l'autre, de toute façon, quoi. J'aurais forcément du mal avec un mec qui va être absolument dégueulasse dans tous ces machins, etc. Ou toujours dans le sarcasme, ou toujours borderline, etc. Je vais vraiment avoir du mal. Et je vais avoir du mal avec l'opposé aussi. Mais là, c'est plus dur, là. Surtout en 2021, surtout sur Twitter, quoi. De s'afficher comme disant « Wow, 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 arrête avec ta bienveillance absolue, là. » Voilà. Ça j'ai un peu de mal aussi. J'aime bien l'équilibre, moi, mais bon... Oh ouais, anyway. C'est épuisant aussi d'être dans une positivité forcée tout le temps, quoi. Bah, le problème, c'est que tu peux pas savoir. En l'occurrence, là, on parlait de Monsieur Etienne. Je pense pas qu'elle soit forcée. Je pense que le mec est... En tout cas, après, bon, c'est une supposition, quoi. Le mec a l'air réellement bon, pour le coup, tu vois. Je pense qu'il est vraiment positif dans sa life, c'est clair. Tu vois. Maintenant, donc je pense pas que ce soit forcé, c'est ça que je veux dire, mais en fait, c'est juste sur le... Non, c'était pas sur le fait qu'une personne soit comme elle est, etc., à la caméra, c'est pas vraiment un problème. Ah, je vais chercher mes mots et je vais dire la phrase, ok. Il peut avoir la personnalité qu'il a, aussi positive soit-elle. C'est normal, ok. Il peut faire ce qu'il veut, tu vois, c'est pas un problème. C'est juste quand tu commences à en faire l'apologie, c'est juste quand tu commences à en faire de la publicité tout le temps, quoi. Le FC bienveillance, etc., machin. Ça, j'ai beaucoup plus de mal, en fait. De dire de façon plus ou moins subtile, changeons la société et il faut qu'elle soit à cette image. Il faut qu'elle soit comme ça, en fait. Et ça, j'ai un peu plus de mal. Parce que je pense qu'en faisant trop ça, ça va faire monter l'extrême inverse, au final. Voilà. Je pense que tout est une question d'équilibre. Anyway. 6-4. Et ceux qui fument la weed, ils sont à l'ouest? What? D'où elle sort cette phrase, Nito? C'est parce que... Nito, c'est parce que tu fumes des joints, c'est ça? Parce que tu fumes des joints? On va partir sur un débat sur la légalisation et la dépénalisation du cannabis. Hein, merci infiniment Raven Oma en tout cas pour les 4 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Merci infiniment poulet. Merci. Voilà. MDR, il raconte une histoire pour nous endormir. Ouais Lorenzo. Ouais, ça s'appelle du français et je sais, c'est difficile, il y a plus de 2 phrases. Je suis désolé mon petit loup, t'as l'air jeune, je t'ai largué sûrement. Voilà. Et t'inquiète, de temps en temps c'est important d'avoir des discussions sérieuses. Ok. Ah, mais non, c'est juste pour me réveiller, t'inquiète, après on va aller mettre des headshots, on va retourner des darons, t'en fais pas. Ah, ah. J'arrive à l'heure intéressante les débats. Ah non, il y a pire ceux qui jouent et là shotgun MDR. Ah ouais. Pour le coup, il est influenceur par le discours d'étoile à propos du FC bienveillance et du coup, il se l'est approprié sans trop avoir le choix, j'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord Tosma. Je suis d'accord. Mais et du coup, il y a une partie de moi qui me dit bon bah soit il y a eu un match, entre les deux personnes, tu vois, et c'est vraiment très très bien. Soit c'est surjoué quoi, tu vois. Et il y a toujours une partie de moi qui va plutôt penser sur la deuxième, qui va partir sur la deuxième option en me disant putain ça, c'est un peu une posture pour le coup quoi. Alors, et je me dis parce que je me dis putain c'est pas possible, autrement ils sont parfaits quoi, ils mettent la barre beaucoup trop haute sérieux. Anyway, Père Castor. Ouais, installez-vous près du feu. Putain, c'est chiant, Perrier. Voilà quoi. Vous parlez de quoi, au fait? On parle de tout et de rien. On fait du sophisme. Alright. On aime s'entendre parler, c'est tout. Ouais. Enfin, un sujet intéressant. Retourner les darons. Non mais réflexion de douche. Non mais vous êtes pas d'accord? C'est pas le moment de la journée où vous êtes le plus... où vous avez l'esprit le plus ouvert, honnêtement. La douche. Non, enfin, je sais pas, ou alors c'est vraiment un truc très perso. Et moi, c'est souvent sous la douche. Tu sais, il y a une musique comme ça dans le fond de la salle de bain. Un peu mystique, là. Avec l'eau qui coule sur mes longs cheveux. Je me shampouine les cheveux. Au moment où je me shampouine, peut-être que c'est, tu vois, cette espèce de... Je sais pas, ça provoque en moi une espèce d'ouverture d'esprit et là je me dis, hey! Et je réfléchis, tu vois. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Je mets pas de shampoing. Perso, moi c'est aux chiottes. Hein. Du coup, on va partir sur Battlefield. Allez, dans le studio. Non mais sérieusement, vrai débat les amis. Non mais vrai débat, douche de merde, du coup j'ai pas le temps de réfléchir. j'avoue, genre à l'armée et tout, quand l'eau elle est froide ou les trucs comme ça. Enfin non, en règle générale à l'armée l'eau elle est trop chaude. Bon, elle est parfois, elle peut être trop froide. Mais c'est juste la salle de bain, de toute façon, elle est froide, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, j'aime bien, tu vois, en règle générale, faire en sorte que la salle de bain se transforme en putain de hammam. J'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça. J'aime bien mettre l'eau tellement chaude, tu vois, que j'ai les épaules rouges. Et après, il y a tellement de vapeur d'eau que quand tu sors de la salle de bain, il fait toujours chaud. Ouais, c'est un putain de hammam maintenant, donc tu vois. Mais quand t'es dans des grands bâtiments publics... Ah, ça, ce n'est pas possible en fait. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein, ça, c'est absolument pas possible. Moi, je fais des monologues dans la douche. Ah, ah. Eh, tu vois? Non, mais ça, c'est hyper important. Tu vois? Ça, c'est Raven. Raven, ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça, il y a une espèce de... Tu vois, il y a une espèce d'urban légende. Il y a un truc qui dit que l'homme qui se parle tout seul, monologue, ok? Même en se parlant, hein, en parlant, à haute voix, hein, tu vois ce que je veux dire? Voire même en faisant des dialogues. Hein, donc, en anticipant les machins. Tu pourrais dire, putain, il est fou. Il y a un truc dans notre culture, il y a un truc qui nous dit... si tu vois une personne se parler tout seul dans un champ, tu vas lui dire, hé, hey, hey, mais t'es fou ou quoi? Tu parles à qui? Tu vois? Il y a un truc comme ça. Non, parce qu'il est en plein milieu d'un champ aussi, c'est un peu chelou, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'en fait, c'est très sain, c'est vachement sain, ce genre de truc-là. Mais il y avait un moment où je me disais, putain, mais est-ce que je débloque totalement quand je fais des monologues ou ce genre de truc-là? Où je suis en train de me parler comme ça mais... Ou, bah voilà, quand je vais faire des treks par exemple, quand j'ai fait mon tour du monde là, il y avait des moments où de grande solitude quoi, hein, tu fais 15 heures, ah pas 15 heures, 12 heures de marche parfois par jour, t'es tout seul, tu rencontres un âne, 3 lamas, donc je me parlais tout le temps, en fait, quand je vais rentrer je vais faire ça, voilà quoi, et parfois je recroisais une personne et je me dis mais elle doit me prendre pour un ouf, et en fait non, en fait c'est très bon, sachez-le. Voilà, donc si vous vous parlez, c'est très bon. Ça vous permet en fait de vous rassurer, en fait, de faire ça. Vraiment. Genre, non mais attends, je pense que vraiment, il a dit de la merde, j'aurais jamais dû faire ça, tu vois. C'est très très bon. Hein, tellement de vapeur que la peinture du plafond tombe toute seule et la serviette ne peut plus rien éponger. Ah ouais, ouais, quand t'as une peinture de merde et que ça commence à cloquer au plafond, ouais, faut arrêter le hammam, je pense. C'est un peu une façon de méditer sur soi-même. Absolument, absolument. Absolument. Ça, c'est pareil, tu vois, la méditation, c'est un truc sur lequel il m'a fallu plus de 30 piges pour comprendre. Voilà, parce qu'à chaque fois, tu vois, il y a toujours le cliché de la méditation, du je vais me mettre en haut d'une colline et, avec un didgeridoo et c'est parti, quoi. En parlant de didgeridoo, l'épisode 2 de Family Business, hier, regardez à 2 h du mat, là. Exceptionnel, exceptionnel. Putain, Cohen, c'est vraiment mon... Mais bon, bref, c'est pas là le sujet. Et donc, alors que méditer, non, tu peux le faire aussi dans des actions, tu peux le faire avec des actions, quoi. T'es pas obligé juste de te poser calmement et de fermer les yeux et te mettre les jambes en croix, quoi. Il y en a pour qui la méditation... En fait, la plupart du temps, parfois tu peux méditer, en fait, surtout en occupant une partie de ton espace, enfin, ton espace, une partie de ton cerveau, je pense que ça doit être l'avant du cerveau, on s'en fout, en fait. Tu occupes ton cerveau avec une tâche répétitive et stupide de sorte que tu puisses reposer ton esprit en fait. Voilà. Genre par exemple faire du ménage, tu vois, un truc tout con, genre vraiment faire du ménage ou marcher ou faire un truc tout con qui fait que c'est une tâche répétitive et tu fais ton truc. Mais en fait tu t'en aperçois même pas, tu es en train de faire le truc et ça c'est de la méditation. Je sais pas si ça vous le fait mais voilà. Moi faire mon ménage c'est ma méditation. Ah, salut Scat, salut Jack. What? La saison est sortie de Family Business, elle est sortie hier. Non, attends, on est quel jour? On est samedi? Yes, elle est sortie hier soir. Elle est sortie. L'épisode 2 est assez ouf. On verra sur la suite, mais... Ouais. Perso, c'est plus quand il est genre 2 h du mat dans le lit et que t'arrives pas à dormir, alors tu relates tout ce que t'as fait aujourd'hui. Ouais. Et tu relates tout ce que t'as fait. Au contraire, c'est pire, non? Moi, souvent, j'imagine des trucs. Si je relate tout ce que j'ai fait, si je commence à penser à tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est mort. Au contraire, je vais pas dormir, quoi. J'essaie de penser à un autre truc, voilà. C'est plus une forme d'angoisse en général à 3 h du mat, perso, MDR. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est putain, qu'est-ce que j'ai pas fait? Putain, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ben, pas vraiment d'accord avec toi. Ok, Caldrogo, c'est parti. Ça te permet juste de penser à des choses. Mais la méditation, c'est pas penser à ces choses-là. C'est se reposer l'esprit qu'il faut. Oui, justement. C'est ce que je te disais. La plupart du temps, en fait. Non, pas de penser à des choses. Ça t'arrive jamais d'être à un moment où tu ne pensais strictement à rien et pourtant tu étais dans l'exécution d'une tâche. Ok? Genre, je le disais, c'est un exemple, faire du ménage. Et au bout de 1 heure, tu te rends compte que... Oh, j'ai fait tout ça. C'est-à-dire que consciemment, tu étais en train de faire du ménage. Consciemment, tu t'es même pas rendu compte que tu étais en train de faire ce genre de truc-là. Et tu as pensé à rien pendant toute cette, période. Mais oui, tu as raison. La définition stricto sensu de la méditation, c'est le fait de reposer l'esprit, en l'occurrence, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Six, à force de jouer autant, tu fais pas des rêves ou des cauchemars de BF? Non, je rêve peu, moi. Je rêve peu. Je rêve peu et je fais peu de cauchemars. Tu as une douceur dans le regard, 6-4. Xavier Dupont de Ligonnès aussi. Donc attention à la douceur. J'ai une grande terrasse. C'est quand que tu joues? Maintenant, let's go, sur cette bonne blague. Merci NZTTS, nouvel étudiant du campus, bienvenue poulet. Alright, let's go. Let's fucking go. Origine. Une tristesse plutôt. Mais niquez-vous, sérieusement. Une tristesse. Arrêtez d'analyser les gens là, arrêtez d'être toujours machin là. Déjà, je vous ai déjà dit, il va falloir que je vous éduque un par un, ok? Déjà, à chaque fois qu'il y a une phrase sur Twitch qui commence par un on dirait que... ou attends, c'est quoi déjà? Ah merde, c'est quoi la phrase typique qui va partir sur le physique ou... Ah, je sais plus. Je crois qu'il y a un moment, on l'avait quasiment supprimé. C'est un début de phrase, merde. Bon, le truc, t'es pas un peu fatigué, bon, ça, c'est vraiment une façon merveilleuse de dire t'as pas une sale gueule en ce moment. Elle termine à quelle heure la bêta? Demain, 10 h, poulet. C'est pas méchant, mais... Celle-là, elle est pas mal. Ou le pire est, quand même, on t'a sûrement posé 1000 fois la question, mais... mais... Laisse-moi te la reposer une autre fois, du coup. Bah non, du coup, pourquoi tu la poserais pas en fait? Oh god damn it. Come on. J'ai l'impression qu'il y a une erreur dans le dosage de son Xanax. Je ne prends aucun médicament. À part le strepsil d'avant-hier. Ma bibliothèque de jeux. Let's go. Alright. Et heureusement que j'en prends aucun. Pas dans le sens où c'est une mauvaise chose. Hein. Voilà quoi. Mais... C'est dire si les choses ça va en final. Mais il y aura tous un moment de notre vie où on prendra du Xanax. Non, je déconne, c'est pas vrai. C'est pour les plus jeunes qui viennent d'arriver sur le live. Toi là-bas là. Il y aura toujours un moment de ta vie où tu vas prendre du Xanax, ok? C'est pas vrai. Let's go. Tu penses être au carrefour de ta vie, 6-4? Non. Non. Mais toi, tu viens de prendre 2 bannes depuis tout à l'heure et tu commences à poser des questions dans une logique un peu de troll et de provocation, quoi. Donc, je te le dis tout de suite, tu dois être un petit peu au carrefour du ban, ok? Tu le vois? Regarde. À gauche, tu peux rester. À droite, t'es banni. Tu prends laquelle décision? Alright? Nom de Dieu, je te jure. Elle coûte combien la bêta? Elle est gratuite. Bam, tu viens de prendre 1800 secondes, tu vois? Là, ça te va ou pas? Là, ça te va le carrefour? Tu l'as vu le carrefour ou pas? Là, tu viens de te prendre le panneau, bonhomme. Allez, reviens tout à l'heure, poulet. Le manque de réalisme sur ce jeu est très marqué. What? Le manque de réalisme? Mais mec, mais c'est pas un jeu réaliste, Battlefield, sérieux. C'est pas fait pour être réaliste. God damn it. Oh là là, et dès le matin, en revanche... Attends, je vais couper la musique. Qui a demandé à ce que Battlefield soit réaliste, honnêtement? Personne. Alright, personne. Ah, oh, j'ai envie de faire le con. Non, on va taper là-haut, là. On dit souvent je vais me cracher, hein, les premières games de la journée. Pas mort, lui. God damn it. Oh là là, j'ai 0 aim. Ah, le petit headshot. C'est beau, hein, c'est beau ce petit truc là. Seul toi non Polo. Oh là je mal. Je pilote comme une merde. Comme une merde. Faut être plus relax en fait pour piloter. Ouh, relax. Oh god damn it, je le loupe. Le deuxième, sérieux? Oh là là. Vas-y mais nique-toi avec ton hélico là même. T'as que ça à faire mon gars. Oh là 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 là. Personne va le jouer bien évidemment. Personne le joue. Il n'y a pas un petit entier, rien qui se met là. Il est là, lui. Il est là. Il est chez nous, le mec. Il est chez nous. C'est si agréable de te regarder piloter. C'est cool, sérieux. Maman. Six met un nouveau sub-goal à 640K sur ta chaîne. Un Apache 64 IRL. Mais on l'a déjà, l'Apache, les amis. C'est tout ou quoi? On l'a déjà. J'en ai déjà un. Vous le saviez pas? Ah, quand même. Après c'est plus compliqué de jouer d'ici. Mais voilà, il est là. Il nous a coûté quelques euros quand même celui-là. C'est l'ancien sub-goal. Right. Mais je préfère le Little Bird. Faut que je m'achète un Little Bird. Tu joues les deux mains sur le clavier quand tu pilotes? Les deux mains sur le clavier. Les deux mains sur le clavier? Mais comment... Comment ça, les deux mains sur le clavier? Non, clavier souris, les amis. Clavier souris. Mais c'est une, ça se trouve, c'est plus agréable avec un joystick, hein, honnêtement. Hein. C'est possible. Hein. C'est peut-être plus agréable avec un joystick. Hein. J'ai jamais essayé, je me suis jamais réellement renseigné sur ce que les autres font, etc., etc. Vas-y, on va rester sur un Little Bird pour commencer. Même avec une manette, c'est galère. J'ai jamais essayé avec la manette. J'ai jamais essayé avec une manette. Franchement, ce serait vraiment un kiff, n'empêche, d'avoir son propre Little Bird. Oh là là, ce serait vraiment un truc de ouf. Il est magnifique cet hélicoptère, il est vraiment magnifique, sérieusement. Il est tout petit, il est trop stylé, quoi. Bon, sans l'armement sur le côté, parce que autrement, je pense que ça passe pas trop bien, quoi. Quoique, ça peut être pas mal, tu vois. Tu vois, quand les bouchons commencent à te faire chier. Bonjour. Du coup, on me l'a pris. Du coup, let's go. On va l'aider, les potos. Attends, c'est léger, c'est un méchant, ça? Oh putain, il m'a fait peur, là. Bam, 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 bam. Meilleure arme, les amis, meilleure arme. Meilleure arme, on l'a trouvée déjà. C'est celle-là, la méta. Anticipation. Pas du tout. let's go. Ouais, c'était sympa ce que t'avais fait, poulet. C'est ça que tu voulais faire? Mais faut le faire là, du coup. Oh, come on! Ouais, elle tape la K un petit peu quand même. Hein. Honnêtement, là, je sais pas s'ils vont changer les armes, tu vois, mais... Y'a pas vraiment de raison de prendre autre chose que la M503. Ah merde, désolé. Putain, les gens avaient poussé derrière moi, putain, pour une fois ça arrive. We are losing resources, man. Bah en même temps, si on a perdu le A1, c'est qu'on n'a pas la supériorité. Voilà, exactement. Donc du coup, on a des noobs qui sont chez nous. C'est un hélico ça ou un mec qui campe? Un hélico. On ne peut rien faire parce que les mecs sont des plots. A1, A1. Il y a forcément un mec sur un toit. Quelque part. Ou en train de camper comme un enculé. Genre lui là. Hop là, double kill. Oh, j'ai un problème avec mon tapis en revanche. Pip 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 pip. Dans le toit, one. Là, on va commencer à énerver des gens. Ça c'est clavier souris, hein. ZQSD, ZQSD, ZQSD. Moi je sais jouer qu'à ça les amis. Ah, si tu me tires dessus je veux bien mais t'es là-dedans? Regarde j'ai une surprise pour toi mon lolo. Oh merde. Mayday, mayday, mayday. Shit! J'adore quand il commence à gueuler le mec et tout, c'est excellent. Vas-y on se casse. La dame dame da dame dame. Il y avait des bonhommes qui se baladaient par là là? Oula, 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 oula bonhomme. Y'a du monde par là? Nope, 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 nope. On capte, on capte. Parfois on perd le... Tu vois, là je capte pas là. C'est chelou non? Non? Hop là l'avion t'avait vu poulet. Oh là il y a un Havoc là. Ah non c'est Hado. Ce qui est cool de reconnaître les hélicos en fonction de leur ombre, tu vois. Moi ça me donne une info, ça c'est un Havoc, tu vois. On le voit bien que c'est un hélicoptère russe. En fait on voit bien le double rotor, je sais pas si vous voyez. Mais c'est un petit détail assez sympathique, parce que moi j'ai pas besoin de lever la tête. Pour ce genre de truc. Y'a son père, ah si. Ça c'est les flébards que je touche. Ah, mon pote l'a tué. Okay. T'es sérieux, toi? Qu'est-ce qu'il me tire dessus? Un clébard, non? Oh, j'ai vu un mec à droite. Padam pam, padam pam. Tu tires sur le pote ou pas? Que je t'aide. Viens m'aider les poteaux. C'est quoi le truc rouge qui était spoté dans la forêt là, vous savez? Pas besoin d'utiliser le flair. Oh putain. J'y arrive pas hein. Faut vraiment que je m'entraîne à ça. Je fais volontairement parfois des moves, là il n'y en avait pas besoin. Hein. Mais vraiment d'essayer de repartir en arrière, de piloter en arrière, il faut vraiment que je m'habitue à ça quoi. C'est vraiment comme si on en parlait hier, c'est un peu comme s'habituer à faire du switch au snowboard quoi. ou au skate en l'occurrence. Merci X-Tromer en tout cas, 38 mois de frais de scolarité, X-Trom du coup. Pourquoi ça me rappelle... Ah non c'est XOR. XOR dans la vie. C'était ça non? C'était pas XOR ou un truc comme ça? Il est comme toi et moi. C'est quoi? C'était ça non? X-Force? Non? Merde, c'était quoi déjà? Non. Bonne journée, les gros transporteurs quand t'es full dedans c'est insane. Ouais, surtout le comment dire le... Oh, je suis en 1v2. Oh. Vas-y, je campe. Y'a un mec à ma gauche. On a un. Oh merde, il y a un. Oh non, fils de pute. Mais me fais pas ça toi, l'autre, elle me met des petits coups de couteau dans le dos là, ça me fait trop peur sérieux. Elle est ouf elle. Elle me met des petits coups de couteau dans le dos là. Ah mais c'est un véhicule merde. On l'a pris? On l'a repris? Ah le 1? Ah. Je sais pas par exemple, c'est pareil tu vois, quand on capte un truc, j'ai l'impression que... Il manque une info quoi. J'ai l'impression qu'il manque une info quelque part. Ouh. Il faut vraiment qu'ils mettent de la musique dans les voitures. Un bon Fortunate Son là tu vois. Dès que tu rentres dans la voiture. Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah bon, avec la voix du mec d'HTDC, visiblement, mais... Pourquoi je vais là, moi? Je suis trop un con, en fait. Pip, pip. Oh, tu peux pas faire de mini-clic droit de merde là. Ah pip, pip. Ah. C'est un pote ou pas? Ah mais c'est un pote. Je vais t'aider mon poulet. Go. Go. Oh la tête, que de la tête, on veut que des têtes. Oh là 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 là. Des petits headshots par-ci par-là. Oh là. Fortunate Sons, ouais c'est Creedence Clearwater, machin, leur nom est imprononçable. Miami, I'm no Fortunate Son. C'est dans quel film déjà? Attends. Attendez, me dites rien. C'était dans Full Metal Jacket non? Il y était? Les gens ont commencé à beaucoup l'ont entendu je crois que c'était dans FMG. On récupère des munes quand on passe sur un... Ah bah non, je viens de le reste du coup. Ah mais j'ai deux... Vas-y, aide-moi, aide-moi. Help. J'adore comment ils gueulent, c'est trop bien. Et ils lui ont pas fait une voix, tu vois, trop... On dirait un peu une voix à la John McClane, tu vois, genre... Help, I'm dying here. Platoon. Non, c'est pas dans Platoon. Non, c'est pas dans Platoon. Non, non, je suis quasiment sûr que c'est dans Full Metal... Je dirais Full Metal Jacket. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est quasiment sûr. Ouais. Toi... C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Guys, c'est quoi ce bruit? C'est quoi le titre de la chanson? C'est Fortunate Son. Fortunate Son. Let's go, j'ai envie de mettre des têtes là au snipe. Let's go, let's go. Let's fucking go. Il le dit dans le refrain. You're my fortunate son. C'est surtout les trois premières notes là, dès que ça commence, enfin la musique est vraiment les trois premiers, ah ouais, c'est des riffs je pense. Enfin, un musicien mais... Tanam tam tanam tam. Apparemment je m'entraîne au sniper en manche hein. Vraiment pas assez bon. Faut vraiment que j'en mette only tête. Vas-y mais nique-toi toi, qu'est-ce qui se passe là? Pardon. Mais il est mort. Il est là-bas. Au revoir. Ça c'est typique le pilote qui a sauté. Non c'est typique le pilote qui... Ah bon, on peut appuyer sur W. C'est sûr et certain en plus. Oh magnifique. Attends, franchement ils ont... Ah non en fait ça va. Ça va, on met des têtes quand même. Il faut s'entraîner. Peut-être les quick shots, je sais pas si on peut quick shot sur ce jeu en fait. Ouais non. T'es jamais interrogé à prendre l'avion? Alors en fait le problème c'est pas que j'aime pas l'avion, c'est que c'est l'avion qui m'aime pas. Voilà, ça veut tout dire. Non sérieusement je suis une merde. Je joue pas en avion. Je pourrais m'entraîner mais le gameplay m'intéresse pas en fait. Mais c'est surtout qu'en fait un avion ne va pas faire énormément de kills. Hein. Enfin il y a des avions qui sont monstrueux, qui peuvent faire des kills et tout machin. Mais il intervient pas trop sur les fantassins etc. En fait un avion surtout à un niveau moyen même jusqu'à bon. C'est quand même une personne qui va principalement s'assurer de la supériorité aérienne en fait. Donc ça va vraiment être que du dogfight quoi. Donc il va s'assurer que justement les hélicos puissent pas casser les couilles quoi. Genre lui devrait se faire gérer par un avion quoi. Ah voilà. Vous voyez pourquoi on a une suprématie aérienne depuis tout à l'heure et que tout a changé. Au début de la game c'était difficile et après... Parce que lui s'est mis là, c'est tout. Et il faut que je l'aide. Parce que ça se fait pas de palaider. Oh non, merde. What? Oh, je suis désolé. Good night. Non, mais ça se fait pas de tuer des gens avec une roquette. C'est vraiment un truc de fils de pute. Il faut que je l'aide, tu vois? Ça, c'est pas cool quand on ne l'aide pas. Du coup, ils font péter le truc. Voilà comment ils récupèrent la suprématie aérienne. En faisant ça. Regarde la grenade, elle est belle. 316 tout le driver. Boum. Y'a pas un truc, tu vois, Vous vous souvenez de ce jeu exceptionnel qui était... comment il s'appelait avec les slow motion, de rifle là. Celeborn en a rentré des salles des quickshots. Non mais après, je veux pas parler de Celeborn parce qu'après il va rentrer 3 quickshots et il va tweeter et il va dire et en plus j'ai 30 ans. Sniper Elite. Hein? Hein Celeborn? Alors qu'il sait bien que déjà que je suis plus proche des 40 que des 30 là. Et à chaque fois il nous rappelle que c'est un boomer là. Je dis... à chaque fois qu'il fait ce genre de tweet, je fais ah d'accord, ok, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, je rigole, il est monstrueux au sniper. Il est monstrueux au sniper. Il est monstrueux. C'est mon idole, Celeborn est mon idole en fait. Je veux devenir aussi fort que lui. Mais après moi je suis pas du tout un joueur de sniper. Pas du tout, je peux pas me définir comme un joueur de snipe. Je peux pas me définir comme une personne qui kiffe jouer le snipe plus que ça. Je préfère l'assaut en l'occurrence quoi. Et sur BF bien sûr je préfère les véhicules mais après j'aime bien les maps sans véhicules. Hein. J'adore l'opération Locker sur BF4, c'était l'une de mes préférées. Je sais pas ce que je suis en train de faire, hein. Je suis désolé. Je suis en train de me promener là. C'est quoi ce truc? Ah c'est un bonhomme, ok. Est-ce qu'on entend les gens? Il y en a forcément un deuxième, parce qu'il y avait un parachute, non? Ouf, il l'a pris. Non! Non! Tu vois ça, j'ai pas le droit de le rater. Ça, ça m'énerve. Les autres, c'est normal, ok? Et ça se rate pas. Ça, c'est pas ratable. Ça, c'est pas ratable. Ça, j'ai envie de couper le live et de prendre un petit martinet et de me fouetter le dos comme ça. Pardon, non, désolé, c'est pas vrai. J'ai pas de martinet. C'est les bornes qui faisaient des tutos avancés sur le strafing BF3 il y a 10 ans maintenant. Après, moi, j'ai jamais regardé de tutos, etc. Machin, mais c'est un mec cool, vraiment. Ça fait partie des personnes... Ça fait partie des personnes que j'apprécie. Ah, il fait partie des personnes... On est en train de se faire défoncer la rondelle, non? Oh 17 tickets, man! 22 kills, 17 tickets... Bah, en même temps, j'ai rien pris, je suis... J'aurais dû prendre l'avion pour aller loin. Bah, laisse tomber, il n'y avait rien. Un petit live SM. Ah, il est cool, il est cool. Il est cool. Du coup, level 38. Je pense pas qu'on fera level 100 d'ici la fin de la bêta. Hein. Ah, quoi. En même temps, on n'a pas trop de visibilité sur ce qui fait gagner des points ou pas. Faudra voir ça, quoi. Quel sera le meilleur moyen de... J'espère vraiment qu'ils vont travailler sur le... D'ailleurs, on le mettra... Faudra faire le feedback. On est samedi, du coup. Sachant qu'à mon avis, ça m'étonnerait que à moins qu'on fasse un live 12 000 heures, là. Ça m'étonnerait que j'aille jusqu'à la fin de 10 h demain matin. Il y a des gens parmi de vous qui jouent sur Xbox Old Gen. Je trouve que ça lag énormément. Ouais, c'est possible. Hein. Si vous cherchez les teammates, n'oubliez pas, point d'exclamation Discord, les amis. Point d'exclamation Discord. Et si vous cherchez mes settings, ils sont disponibles sur YouTube. Point d'exclamation YT. Enfin, les settings où on a fait un tuto bien débuté. Bon, c'est vraiment light, hein. On n'est pas rentré trop dans les détails. Trop dans les détails. Oh god damn it, je déteste les games en cours, hein. C'est relou. Mais ouais, au snipe, on n'a toujours pas rentré le trick qu'on voulait rentrer hier. Hein. à savoir le Little Bird into F3 site into 180 snipe quoi. Celui-là il va être incroyable quoi. Je sais pas s'il va bien rendre au final. Le but du jeu c'est juste d'être dans un Little Bird, de switcher sur la 3ème place, sur la plateforme externe, d'avoir un snipe et de faire un kill. Celui-là il faut que je le rentre, il faut absolument que je le rentre. Avant la fin de la bêta il faut que je le rentre. On peut pas faire un request véhicule? What? Ah mais c'est les potes. Ah non, non, non. Ça, il va falloir qu'il fasse quelque chose pour ces fenêtres. Hein. Elles sont horribles en fait. Et du coup, elle nique un peu tout quoi. Et ça aussi, c'est pas normal qu'on puisse pas re-switcher sur son grappin tout de suite au final. Regarde. Ça, c'est trop con du coup, je peux pas choisir. What? Mais 2 secondes quoi! Mais c'est quoi qui tire là? Oh, je sais, y a rien qui va. Rien qui va sur ce game. Rien qui va sur ce truc. Et il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose au niveau du level design là, de cet endroit là. Il faut qu'ils enlèvent une fenêtre, il faut qu'on le marque dans le feedback. Il faut que sur les côtés des bâtiments là, au moins au milieu du bâtiment, il faut qu'ils enlèvent une fenêtre. Parce que le grappin est pas opti en fait. Tu vas choper le corner du truc. Donc t'es vraiment dans une logique où t'as envie de choper le toit. Et ça te fait passer par la fenêtre, tu vois. Et je pense que le move de passer... Ou alors changer carrément le grappin, mais c'est plus compliqué, quoi. Mais je pense que... Ouais, je pense que le plus facile pour eux, c'est de boucher, en fait, au milieu du bâtiment, de boucher une fenêtre. Que ça oblige le grappin à te faire monter sur le toit, quoi. Parce que là, c'est relou. T'es au-dessus de la fenêtre, ça te fait passer par la fenêtre. T'es en dessous de la fenêtre, ça te fait passer par la fenêtre. Et ça, c'est pas normal. C'est des trucs tout cons, hein. Ou juste qu'ils descendent les fenêtres. Oui, mais du coup, ouais, je suis d'accord. Mais je pense que c'est beaucoup plus simple pour eux d'enlever une paroi d'un bâtiment qui était considéré comme une paroi plus fenêtre. Tu vois qu'il y a un panel, ils vont l'enlever, ils le remplacent par un autre, que de changer le panel en lui-même, en fait. Je pense. Je pense. Je pense que c'est plus facile de remplacer une brique par un parpaing que de changer la taille du parpaing, quoi. Ou de la brique, en l'occurrence. Ah ouais, on a tout perdu, on a rien. Ce game, ça va être un gros Alt F4, je te le dis. Je déteste rejoindre des games en cours, en plus. Et elle lag, en plus. Il y a eu un petit décalage. Non, 15 ms. Faudrait qu'on fasse vraiment un feedback sur le tableau des scores. Aussi. J'arrive pas à me dire est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas au final. Je sais pas vous mais... Pourquoi il tire sur la colline lui ? Pourquoi tirer sur la colline? Faudrait que j'ajoute un peu de sensibilité, je pense, sur mon hélico quand même. Mais j'ai peu... Enfin, je sais pas. Il va vraiment falloir que je fasse des tests. J'espère vraiment qu'ils vont avoir la range de... Oh mais on peut caper. J'espère vraiment qu'ils vont avoir la range de test comme sur... Wow, mec, me fais pas ça, putain, il m'a fait trop peur. Mais... What? Ok, je fais de la merde. Je pense pas au final, mais... Sorry. Ah non, putain, j'avais la conce. Pareil, la touche de la console, là faut que je fasse quelque chose. J'active la console, du coup je fais... je peux plus rien faire. Ouais bah là j'ai carrément fait console plus... plus échappe du coup. Mais ils ont fait chier les clébards là. Ils ont fait chier les clébards, non? Regarde, ils sont tous en train de se battre contre un chien là. Dur là, hein, sur le côté. Elle est bien protégée cette bagnole là. Oula. Oh non, j'ai pas le droit de rater ça. Y'a un mec à gauche. Non? J'ai cru voir passer un mec. Non? Attends, y'a vraiment des klaxons sur le truc? Oh là là, je loupe mes balles, c'est horrible. Oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ah, il me fait trop peur lui. Lui aussi, vous me faites tous peur. Ah! Oh là là, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber! Concentré. Laisse tomber. Ça c'est un ratable ça. Oh, y'a un mec qui me... Sérieux? T'es un monstre mec? Ouais, enfin t'es un monstre mec. Aïe aïe aïe. Aïe. Oh. Je vais vers le mec juste devant moi, sérieux. C'est étrange, je fais plus de kills à la grenade et de missile sol-air qu'au fusil. Ok. Ah ouais, on a gagné, ok. Ah vraiment la game de merde. On est juste de l'argent. Ah, j'avais même pas vu en haut qu'il y avait le round time, qui est le temps de la durée de la game. Reprends l'AR, tu te sentiras mieux. Ah non, non, mais l'AR, non. Et justement, c'est le principe même de zone de confort, les amis. C'est comme... ça me rappelle mon prof de boxe. Il disait... ah, c'est quoi l'exercice que t'aimes le moins? Celui-là, enfin franchement les tractions, j'en fais 8, 9, mais voilà quoi. Eh ben aujourd'hui on va faire des tractions. Et t'étais contente. Ouais non mais... Ouais mais les pompes c'est dur hein. Eh, les pompes... Eh c'est bien dur hein, on peut pas faire des pompes plutôt. non, on va faire des tractions, ouais, principe de zone de confort quoi, et c'est vrai. Et il me dit bah si tu... En règle générale, s'il y a un exercice que t'aimes pas, c'est que t'es pas très bon sur l'exercice, donc c'est que ton groupe musculaire, c'est que tes muscles pour cet exercice-là sont pas bons, donc vas-y, let's go, quoi. On revient un peu sur un principe de sadomasochisme. Je pense pas, non, Bah, dans le principe même de la zone de... Sado, non, mais du masochisme, sûrement. Le principe même de la zone de confort, c'est de rentrer dans une zone d'inconfort. En revanche, le masochisme, c'est d'aimer ça. Est-ce que j'aime ça? Non. Est-ce que je pense que c'est nécessaire parfois? Oui, ça c'est clair. Ouais, forcément. On doit tous un jour. Sortir de ta zone de confort, hein. Pas être maso. Hein. Oh mais nique ta mère! Les gens en hélicoptère, qu'est-ce que c'est nul! Bouh! Il m'a envoyé 2 roquettes et j'ai failli perdre 50 HP. Ah mais je tire alors que je sais que je vais pas l'avoir. Hein. Mais en revanche la hitbox de ce... Ah ça drop tant que ça? Ouais, en revanche toi me regarde pas comme ça quand même. Toi t'es plus près quand même. Pip 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 pip. Et this. Attends il regarde quoi? Oh là là, je rate des balles. Il faut que je m'entraîne, il faut vraiment que je... Il y a des moments où t'enchaînes 5 kills d'affilée, full headshot, et après tu fais de la merde, quoi. Je sais pas, peut-être que j'essayais de tirer trop vite, quoi, au final. Peut-être. Possible, hein. Ah, goddammit. J'essaie vraiment de faire un... Je sais pas. Il y a un truc, il doit y avoir un truc. Le bullet drop est assez fat. Ouais, bon, ça reste BF, hein. Je fais pareil pour le snipe, je suis pas bon avec, mais quand tu rentres à un OS, c'est... bandant. Ouais, j'avoue. Bah surtout qu'il y a la petite gratification ouais, d'avoir tiré qu'une seule balle, le headshot est propre, en plus la petite animation du headshot est vraiment sexy. Donc voilà quoi. C'est chiant quand c'est comme ça, hein. Parce que C1, C2 est pris, là on a zéro contrôle donc on peut même pas, on peut rien faire en final. Quand ils ont ces clusters là, en revanche, on peut prendre ça. Non, please, come on. Oh. Il y a déjà 2 Little Bird. Ça, tu vois, c'est pareil. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour expliquer pourquoi, en fait. On t'explique qu'effectivement, tu peux prendre 2 hélicoptères de transport, ok, on t'explique que tu peux en prendre 3. Donc, il y a une slot de disponible. Il y a un slot de disponible, pardon. Mais on t'explique pas pourquoi est-ce que là, je peux pas prendre ce Little Bird. Et il faudrait en fait que sur chaque truc ce soit indiqué. En plus il y avait 2 slots disponibles. Donc il n'y a aucune raison en fait. Ça vient de passer à 2 sur 3 là. Donc il devait y avoir qu'un Little Bird. Je ne sais pas pourquoi, parfois ça fait ça. Est-ce que c'est parce que c'est en fonction du nombre de... Je sais pas. Parce qu'on a perdu le A1. Il y a peut-être une logique parce que c'est l'héliport ou le radar ou un truc comme ça qu'ils implémenteront plus tard, j'en ai aucune idée. Parce que pour le moment, il n'y a pas ça, mais il y avait quand même des maps sur lesquelles c'était assez sexy le fait que les hélicoptères ne soient disponibles que quand tu commençais à prendre... Et quelqu'un vient de le prendre, tu vois. Et c'est bien, je pense, un Little Bird. Non? Ah non. Ah non, c'est un big. Mais bon. Ça fait peur quand il y a des gens dans les hélicos, tu rentres avec eux et t'entends... Tu sens le mec qui va vouloir dropper quoi. Papier sur X monsieur. Non? Ok. Vas-y on va dire qu'on peut en... Ouais mec. C'est quoi cette arme là? C'est un lance-grenade en gros? Ah ouais ça fait mal quand même. Ah c'est un lance-grenade, ok. Ah mais ça fait mal ce truc en fait. Ça fait méga mal. Mais nom de Dieu, ça fait super mal. Putain, je m'attendais pas à ce que ça fasse si mal ce truc là. C'est bien de temps en temps de s'apercevoir de ça. Du coup, je prendrai peut-être le in de temps en temps, quoi. Vas-y, faut caper, poulet. Hein. Oh non. Oh non, 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 mais fais-moi descendre. Ça, ça sert à rien aussi de faire des lucarnes qui servent à rien si elles servent à rien. God damn it. Non, mais ça fait mal, on est d'accord, hein. J'ai testé les hélicos à l'instant, il y a trop de monde qui te focus, c'est horrible. Bon courage, hein. Tu verras, c'est... Parce que tout le monde, c'est toujours pareil. Il y a toujours un truc qui va être fort, quelqu'un va voir que ça va être fort, et les gens vont commencer à dire « Ah, c'est pété, les... » Tu vois, insérer la phrase du truc qui les dérange, tu vois. C'est trop pété, les... Voilà. Les hélicos, c'est trop pété, les snipes, c'est trop pété, les machins. Et puis au final, les gens prennent ce truc-là et s'aperçoivent que « Ah non, c'est pas si pété que ça, au final, c'est plutôt bien balance, quoi. » Non, tu vois, ça c'est inadmissible. Ah, je tire dans les fesses parce qu'en plus je veux assurer le kill, quoi. Elle était low HP. Un mec en dessous de moi, non? En dessous mec, ça s'entend, non? Ah franchement faut que j'arrête le snipe. Ah, franchement, et là je fais de la merde derrière. Oh ça me tue! Ça me tue de puer la merde comme ça, quoi. Parfois ça va être insane et derrière je vais faire du gros caca. Je supporte pas de faire de la merde. Tu veux pas me raise? Non? Tu peux le faire, hein. Oula, tu peux le faire. You can raise me, enfoiré. Non? Non, pas avec un grappin. Je suis à côté de toi en train d'agoniser. Je vais pas arrêter de lui crier dans les oreilles. C'est toujours trop pété dans la main des autres. Ouais, c'est ça, ouais. C'est toujours trop pété dans la main des autres. Exactement. Mais bon, non, non, franchement, t'es full focus en hélico. T'es full focus, hein. C'est... Hier, c'est pour ça... Alors, regarde le dernier tweet que j'ai mis à 2 h du matin, hein, qui commençait par... Bip, 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 bip. C'est pareil, cet hélico là il est cool si tu prends un gunner en dessous et si tu prends le que dalle, quoi. Donc tu pilotes pas, quoi. Tu restes stationnaire et voilà, quoi. Pourquoi il y a eu un mec qui est apparu là, non? Pas un mec qui est apparu là? Un peu chelou ce truc de... Tu sais quand t'es à 50 mètres il y a les noms des bonhommes qui apparaissent et leur vie en plus. Je trouve ça pas déconnant, mais de temps en temps du coup ça donne un peu des avantages de bâtard, quoi. Non, tire pas des roquettes dans ton bonhomme, ça fait... c'est pas drôle. D'accord. Ah mais vous voulez venir avec moi? C'est ça l'idée? Bon, y'a pas de problème, hein. Voilà. Tu veux t'amuser, let's go, hein. Ah tu peux faire 12 000 kills là. Là-haut déjà. Ah là, regarde là-bas là. C'est ton pote, arrête. Regarde, je suis dans l'avion. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il est le mec qui fait ça là? Jouer lui déjà. On la prend celle-là je pense. Non c'est bon. Lâche-moi la grappe. Je sais pas qui va le plus vite entre un Little Bird et un avion de... et un hélicoptère de combat. Je sais pas. Ah, j'en ai aucune idée. pensez le Little Bird, tu penses? En termes de rapidité pure? Il est mort, il n'y a plus personne dedans, bro. Lâche-moi la grappe. Chez moi là, toujours pas d'anti-aérien chez nous, quoi, c'est ouf. Qu'est-ce qui peut me faire ça avec cette range? Tu te rends compte de la range là? Au-dessus de la base, quoi. Au-dessus de notre base. Le C est pris, le A est pris. Donc on est pas mal, quoi. Ça doit être des mecs du top B ou alors leur anti-aérien est quelque part, je vois pas. Vas-y, amuse-toi. Là, là. Des kills, au moins t'arrives à toucher des gens ou pas? J'ai fait un stationnaire de bâtard. Bon, on laisse tomber, t'es nul. Mec, même moi, avec la roquette, regarde. Ah, quand même. Nice! Il fait les 3 kills. Nice, le monstre. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ok, let's go. Fais-toi plaisir, attends sur Little Bird, on y va, je m'en occupe. Ah, il est pas mauvais lui. Au final, ça va, il a fait son machin. Il fait son taf. Vas-y. Qui me fait ça? Je veux la voir arriver. Ouf. Oh putain, c'est bon ça en fait. On peut vraiment les dodge quoi. Elle vient du B hein. Vous avez vu ce petit dodge? Il était magnifique ça. Tu la regardes bien arriver, mais c'est dur, c'est dur. Elle arrive tellement vite la pouf. Là stationnaire de bâtard. Voilà, là je le vois l'autre là, tu dois le tuer lui. Il l'a eu? Stalis. Il se fait plaisir non? Je suis en train de lui faire sa meilleure game. Il a fait combien de kills le mec? Oh on a perdu. À 16? Non! À 16 tickets, t'es sérieux? Cette game de ouf. 16 tickets. C'était hier ça s'est arrêté à 1 ticket? J'ai du mal avec cet hélico? En quoi? En pilote ou en machin? Tu te sers de l'assistance de vol? Mais tout le monde me parle de ça. Attendez, regarde, on va regarder les options. J'en ai aucune idée en fait. Je sais même pas ce que c'est l'assistance de vol du coup. Par contre, le petit, je viens de me faire une game à 55 kills. Ah, le Little Bird, c'est cool. Il est cool le Little Bird. Le record est à 63. Et encore, après, je fais pas que des games Little Bird parce que les gens, je pense que j'ai toujours l'impression que ça vous saoule et vous voulez voir des kills snipe. Pas des kills snipe, d'autres kills quoi. Ouais, Little Bird pour le moment le record c'est 63. Mais franchement, ouais je pense, un petit 70, après au-dessus de 70 ça va commencer à être compliqué. Je dis pas que c'est impossible mais ça va être compliqué quoi. Et il y a toujours un moment où j'ai envie de faire le con quoi. La touche L-Shift qui est affichée en jeu. Attends on va regarder ça, sérieusement ça m'intéresse. J'en ai aucune idée au final. Left Shift. Left Shift, mais c'est l'endroit où normalement il y a le boost en plus quoi. Non, au contraire, le gameplay hélico est tellement plaisant à voir, bien plus que du snipe. Ah ouais? Moi je veux du sang. Ok, qu'est-ce que c'est l'assistance de vol? Bah c'est ce qu'on était en train de se demander. Vas-y, ça m'énerve de rejoindre des games en cours, god damn it. Je vais essayer d'en rejoindre une où je peux prendre le Little Bird dès le début. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Je crois que ça évite de faire des roulis. Ah ouais? Bah il faut qu'on teste, parce que je sais pas du tout ce que c'est au final. On va tester ça. Oh goddammit man! Et y a pas de Little Bird du coup. Alors qu'on veut tester un truc, ça arrive. Let's go guys. Let's go. Ah non, faites pas let's go du coup, on va revenir au menu. C'est présent sur tous les hélicos. Ok. Hélicoptère, c'est plus dur que de jouer snipe, franchement, sur ce jeu. Ça dépend. Enfin, je sais pas. Moi, je m'en rends pas compte, en fait. Je me rends pas compte. En fait, le truc, c'est que... La différence entre l'hélicoptère et le snipe... C'est un peu comme la différence entre le snowboard et le ski, je pense. La première fois que tu montes sur des skis, au moins, tu sais te tenir à deux pattes, tu vois. T'as un truc de bipède, tu vois. Pour une personne qui est bipède, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que tu vas quand même, même si tu vas te casser la gueule, tu vas quand même pouvoir te mettre debout, tu vois. Alors que du snowboard, ouais, il y a des chances que la première journée, la deuxième et la troisième, t'es un peu mal au poignet, au genou et au cul, quoi. Tu vas pas arrêter de te casser la gueule. Bah là, c'est un peu pareil, quoi. Au snipe, tu peux toujours avancer, tu peux tenter, tu vas rater, machin, truc bidule, mais tu vas pas passer à un moment si désagréable que ça, au final. Ça va être un peu frustrant, tu vois. En revanche, en hélico, tu fais de la merde, tu te crashes. Tu vas à droite, tu te crashes. Tu prends un pylône, tu te crashes. De bip, 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 tu te crashes. Tu sais pas dodge, tu te crashes. Donc il y a beaucoup de... Il y a beaucoup plus de raisons d'abandonner au final. Parce que c'est hyper désagréable, quoi. Alors c'est quoi le truc? Du coup, left shift. Assisted flight. Non, attends. C'est quoi du coup? Ça fait quoi? C'est ça, left shift. C'est un toggle ou c'est un... Aucune idée. Et là si je l'active. J'en ai aucune idée les amis. Je sais pas. La fiche je l'utilise pour les manœuvres d'évitement. T'as une bonne manœuvre sans piquer du nez. C'est strong je trouve. Ah ouais? Ça fait quoi là? Ah! Ah! Attends. Je sais pas, j'arrive pas à faire la différence en fait. Je vois qu'il y a un truc mais je sais pas si c'est... Ok, sans left shift. Avec. Là y'a rien. Je vois pas du tout la différence. Hein. Si quelqu'un peut me l'expliquer, ça te permet plus de maintenir la même altitude. Bah, je sais pas, un stationnaire par exemple, tu vois. Mais je vois pas l'hélico faire quelque chose, donc j'imagine que ça doit être sur les... Est-ce que c'est un toggle ou est-ce que c'est un hold? Est-ce que c'est un truc que tu toggles ou tu hold? Est-ce que t'es obligé de le maintenir comme si tu faisais le boost au final? Ou est-ce que tu l'as activé? Donc du coup il est activé et en fait on voit même pas un truc qui te dit... Attends, y a pas un truc qui s'active à l'intérieur? Non hein. Non y a rien. Attends, mouse. En revanche, il touche pas les pédales, le mec. Mais bon, il arrive. Il est fort, Bon, c'est pas grave. Je sais pas. Franchement, je me renseignerai, je verrai. Ça peut être intéressant, si vous me le dites que c'est intéressant, pourquoi pas, quoi. Ouais, le... Ces arbres ils ne servent à rien. Piou! Wouh! J'ai eu ma meilleure vie dans cet hélicoptère sur ce jeu, ça arrive. Wow, 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 wow. J'ai eu un problème avec ma souris. J'ai eu un petit problème avec ma souris là. Ah c'est parti, on essaie de faire un peu de kill là. Depuis tout à l'heure je m'amuse un peu. Je trouve ça tellement exceptionnel avec cette dernière. What? Petit dodge du missile, il était pas dégueulasse. Hein. Là, on l'a entendu passer. Voilà, dam. Non, je le touche les mecs, mais je les tue pas quoi. God damn it. Vous tirez les petits poulets, je peux vous aider moi. J'aime bien assister les mecs au sol. J'aime bien être ce sauveur. Il y a un mec caché à côté de toi, je peux pas t'aider mon poulet. Il y a un mec pas loin de toi, je le sais. Ah non, c'était peut-être le char au final. Je sais pas si la range du truc qui te dit qui fait quoi augmente en fonction des... de l'importance du véhicule, si je puis dire. Donc désolé, je parle pas, je suis obligé de me concentrer comme un toto là. Il y a bien un mec en dessous. Hein. Viens, on va te chercher toi. Beep, 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 beep. Target acquired. Dead. On va se barrer un peu parce qu'après on va énerver les gens, ils vont tous passer en anti-aérien. Il m'énerve cet hélicoptère, c'est trop facile l'hélicoptère, vas-y laisse-moi le prendre. Ah non j'y arrive pas en fait. C'est pas vrai mais un peu quand même. Hein. C'est un peu comme ça que ça se passe non? What? Il est pas mort lui? God damn it. Parfois tu fais des hits sur des trucs, c'est pas ce que c'est au final. Genre la bagnole là? Non? Wow. Wow, c'est le truc anti-aérien. Saute pas, poulet, fais-moi confiance. Voilà, je meurs. Non, derrière le montagne, c'est bon. Ah, il y a un Little Bird en plus au cul, ça fait beaucoup de personnes. Le Little Bird plus le truc anti-aérien. Oh non, je suis pas sur le bon arme. Lol, 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 lol. Salut. En ligne Battlefield. Vous avez vu le mec qui était en train de regarder le bug qu'on a vu hier dans le char là? Waouh! Il m'a fait mal. Mais tout va bien. En ligne Battlefield. Y'a du monde? Y'a du monde ou pas? Ah ouais. Qui me cherche, en plus j'aimais les gens qui me cherchent comme ça. Come on man, t'as envie de mettre ta petite balle de snipe, on le sait mais... Mais non en fait. Wow wow wow. Wow, wow. Je commence à mieux le manœuvrer vers l'arrière. Je sais pas, depuis hier, je sais pas ce que vous en pensez. C'est moins dégueulasse quand même. Hein. Moins dégueulasse. Pourquoi il tire lui? Mec, tu tires sur quoi? Faut pas tirer sur rien du tout là, moi ça me trigger. Tu sais, je me dis, ils sont en train de se battre, il faut que je les sauve, c'est mes potes. Et en fait, que dalle. À chaque fois, les mecs sont en train de tirer. Alors regarde, c'est vachement drôle. Je savais pas que tu pouvais tirer sur ce truc là et ça explose en fait. Check this out, man. Oh là là, mauvais plan. On va aller choper ce mec là. Il est où lui? Il est mort? Non, non, il est planqué juste devant la voiture. Il est dur à voir là. Pip pip. Sorry. Sorry, buddy. J'aime bien me planquer. J'aime bien le fait qu'ils aient mis des tours comme ça qui sont assez durs à jouer, mais qui sont assez sexy quand même pour les joueurs qui vont jouer un hélico ou. Pour pouvoir au moins se planquer de temps en temps quand ça va commencer à être la merde quoi. C'est un putain de clébard de merde. Hein. Vous en pensez quoi d'ailleurs le truc des chiens là. On est à combien? 411 à 580? On perd, merde. B1 est à nous. A1 est à nous. C1 est à nous. Comment on perd? On fait pas assez de kills, sérieux? Bah let's go, hein. On va passer à l'endroit où il va faire du kill. Hein. Mais même pas en fait, au final. Ok, je vais peut-être poulet. Bim, 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 bim. Lui, on fait chier. T'as raison. Faut toujours assister un truc, tu vois. Quand tu vois un de tes potes en train de tirer sur un truc. Oula, qu'est-ce qui tire sur la colline derrière moi là? Non? Ok. Après, on perd beaucoup de roquettes pour pas grand-chose. Ça fait très peu de dégâts au final, ce truc. On récupère le C. Non. Si. Non. Tu le sais que je te voulais, toi. Hein. Il le savait que je le voulais. Il savait que je voulais lui et personne d'autre. Dégage, ok? Fous le camp. Laisse-moi tuer tes potes. Oh, les mecs qui spotent les gens, c'est trop des ouf. Oh, les gars, les gens qui font ça, mais ils ont mon respect éternel dans le jeu. De le dodge sans utiliser un flair. Ah, oh, c'est dur, je le vois pas arriver. C'est dur de pas utiliser un flair. Waouh, waouh, waouh. Pas ce range là. Les mouvements de cet hélicoptère, ça on dirait plutôt un drone, on est d'accord. Désolé, je regarde pas du tout le chat depuis tout à l'heure. Les chiens aux F-tiers. Ouais, et puis en plus ça bait, tu vois, ça bait, je trouve, le propriétaire en final. Une question, faut-il préco le jeu pour pouvoir jouer à la bêta? Aujourd'hui, il me semble que non, elle est accès à tout le monde. Et il faut vraiment tester-la, faites-vous un avis. Les chiens, c'est cool pour un jeu solo. Sur un jeu massivement multi, c'est useless. Comme les bots, c'est fade. Ils ont 2 fois trop d'HP au passage. Ouais, je trouve que c'est un ajout sympa, tu vois. Merci Saltinao pour les 13 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de cette Salty Academy. You're a fucking monster, man. Merci les amis, vous êtes des monstres. Grâce à vous, on ira tous the fucking top. Je vous le garantis. Il y avait une petite jumelle là. Oui, lui. J'aime pas les snipers, moi. Il tourne bien lui. Ah merci d'aller à côté de ton pote pour le double kill, mais sympa. Ça va être dur de faire un record de kill là-dessus. T'as vraiment sur moi que tu veux tirer toi? Faites gaffe, hein, franchement, soyez sûr de vous si vous voulez tirer sur un Little Bird au snipe, faut lui mettre la balle quoi, parce qu'il va tout de suite vous spotter au final. Alors que le meilleur moyen d'échapper à un Little Bird d'infanterie, c'est se planquer quoi. Il devait y avoir un mec par là, mais j'arrive pas à le voir, il doit être sous une boule je pense. Ah non, dans le tunnel. Ok, ok. J'arrive pas à faire ça encore. Hein. Bon, j'ai plus de roquettes de le tuer en ramming. Il y a encore du taf quand même. Hein. Il y a encore du taf. Il y a toujours. There is always room for improvement. On peut toujours s'améliorer. Voilà, c'est ça. On peut toujours s'améliorer les amis. Surtout quand on touche une grosse boule pour éviter un Blackburn de chez soi. Combien de kills? Bah, c'est pas là qu'on va faire des records, je te le dis. 154 à 160. Oh là là, mais ce game est insane. Ce game est magnifique, sérieux. Vas-y, let's go, on va aider les potos au sol. Tac, 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 tac. Vas-y, let's go, let's go, let's go. Oh, what? Oh, au top déjà. Oh, le bâtard. Oh, ça va être dur. 112 à 110, 138, 127 à 110. Oh. Elle est ouf, cette game. 124 à 100. Allez, vas-y, on peut le faire, sérieux. Faut rester le C2, 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 C2. À mort. T'as raison, toi. Ok, moi j'ai pas raison. Ah, ça va être dur de passer par là. Non! Je voulais aider mon pote derrière là. Combien? 107 à 69, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Let's go, let's go. Ah, j'ai pas le temps de prendre un hélico. Il y a déjà un mec qui s'en occupe pour lui. What? Ah, j'ai pas de lag en plus. What? Mais ça push à droite, à gauche. Ah! Pardon. Il y avait marqué BZH dans le pseudo du mec. Je pense qu'il est pas loin. Je pense qu'il est en France. Je pense qu'il est breton. Ah, tout est de top. Ah, je suis en train de faire T pour parler, moi. Oh là là, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Montez. Tue les mecs au top, le Blackbird. Tue les mecs au top. What? Hey, sérieux, il y a des petites synchros ou... Voilà, t'es un monstre, putain, un Blackbird qui sait à peu près jouer. T'es un monstre, toi. Nice! Elle était belle, cette game. 71 tickets. Mon petit 34 kills. Merci Eldouane pour les 8 mois de frais de scolarité payés au sein du campus. Un monstre, poulet. Vous êtes des monstres, sachez-le. J'ai fait in-game hier, on était à 34-34 MDR. C'est les plus belles games, ça, hein, on est d'accord, hein, tu sais, quand c'est jusqu'au bout et tout. Et hier, on a fait une game qui a terminé à 0-1. Et on la perd, je crois. On la perd à un ticket. Un ticket. C'est quoi le jeu, les gars? Battlefield, quand même, poulet. En règle générale, la plupart du temps, c'est quand tu arrives sur Twitch, tu peux faire point d'exclamation G-A-M-E, gamme. Et souvent, et voilà, regarde. Bam, ça te fait spammer. Merci Volstar, nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Welcome bro, welcome. Il m'est plusieurs fois arrivé de tirer en plein sur un gars sans le hit, mais je crois que les serveurs ont du mal. C'était hier. Hier je le voyais parce qu'en fait, il y avait une légère... il y avait une légère... Comment dire? Il y avait un léger timing entre... entre le kill et le hit. Entre un shoot et un hit marker, quoi. Tu voyais vraiment qu'il y avait un petit laps de temps, quoi. Et tu disais, putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en plus, le pire, c'est que j'ai essayé de sniper, quoi. C'est impossible. Et en fait, je me suis juste rendu compte que le ping était en haut à droite. Je l'avais pas du tout trouvé avant, au final. Ah, je suis fatigué, j'arrive pas à faire des phrases correctes. D'ailleurs, en parlant de ping, petit trick, console, le petit 2. Play, display... Non, il est où? C'était quoi déjà? Alors de mémoire, c'est forcément play, overlay. Play, overlay. Ok, super la game. Play, overlay, point draw FPS. Non, ça va être un truc comme ça normalement. Play, overlay, point draw FPS 1. Non? Ok. Pourquoi ça me le fait pas là? Play. Ah non, c'est perf overlay, putain je suis con. Perf overlay, point draw, FPS 1. On peut pas cliquer en revanche, on est d'accord. 1. Windows 32 égale trou. Et ça apparaît en haut à droite là maintenant. Mais il faut le réactiver à chaque fois. Non, c'est perf. Ouais, perf, autant pour moi. C'est que j'ai testé BF sur PS4 et les hélicos et tu as mon respect à tout jamais, je n'y arrive pas. Après, sur manette, ça doit pas être simple honnêtement. Je sais pas si c'est plus simple ou plus facile sur manette. Tu peux pas avoir le même contrôle, qu'avec clavier souris. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, je pense que c'est pas possible. Autant quand je dis c'est pas possible sur un FPS, c'est parce que je sais pour le coup. Mais sur là, je pense que c'est pas possible. J'imagine fortement que c'est pas possible. Ouais. Ce soit pas possible. 264 alors ce rush level 100. Perso, j'ai tâté sur PS5. Le jeu ressort bien vivant, qu'il soit petit. Attends, sur PS5, il est pas petit? Vas-y, mais c'est chiant ces games où on rejoint le truc. Il est pas au petit sur PS5? Tape juste FPS, tu peux choisir après. Attends, il y a un moteur sur la console? Il y a un moteur de recherche? C'est pas en mode... C'est pas en mode la console de... Waouh, wow, j'ai eu un lag là. Attends, c'est pas possible ça. A chaque fois il me dit 15 millisecondes mais parfois j'y crois pas quand même. Hein. Souvent en début de game au final. Ah merde mais il y a un bonhomme en fait. Sorry, il y a combien de tickets? 1002, 1003. En revanche ils te font... Ah si, bah, j'allais dire ils te font rarement rejoindre des games où tu vas perdre direct mais si hein. Tout à l'heure 2 games tu rejoins, tu loses dans la foulée quoi. Bon après ça te donne du free point j'imagine. Par la fenêtre. On n'a pas réussi à l'avoir. Il est à l'intérieur. Hein. Il y a un mec à l'intérieur les amis. Je vous le dis, il y a un mec à l'intérieur. Voilà. Dalam dam dalam dam. Wouh 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 wouh. Alors attends. Il y a beaucoup de personnes qui veulent utiliser les canons aussi au début. Ah, je pensais pas qu'il allait me tuer quand même. Oh la LMG, eh, il a bien joué. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la mitrailleuse contre les bonhommes là. Mais en fait on s'est rendu compte qu'il faut vraiment... quand tu veux tirer sur un poteau ou un bonhomme, si tu le fais avec la mitrailleuse, si tu le fais avec un véhicule, sur un véhicule ça va c'est simple. Mais si tu le fais sur un bonhomme on s'est rendu compte vraiment qu'il faut essayer de choisir l'une des deux mitrailleuses en fait. Faut pas viser là où il y a le viseur au final quoi. J'aimerais bien aussi que tu puisses configurer tes réticules, tu vois, à l'avenir, quoi. What? Ah bah, eh, le Little Bird, il n'y a pas de vitre, hein. Le mec, tu vises le bonhomme, tu vises le bonhomme. On a même fait des kills au vector, ce qui n'est pas du tout représentant. Enfin, c'est pas possible au final, mais... tu peux faire au vector. Alors, je sais pas, c'est un vector, c'est un quel calibre dans le jeu. Bon, j'imagine qu'ils l'ont fait en 45 ACP, je pense. Enfin, je pense. 9 mm, tu vois. Je pense 45, enfin bref, tu pètes pas les vitres à mon avis d'un Little Bird avec ça, mais dans le jeu tu peux tuer facilement le bonhomme quoi. Alors là l'hélico c'est toujours pareil, hein, s'il n'y a pas de... Ah faut pas rater les roquettes, hein, faut sniper. Quand tu l'utilises comme un Little Bird ce truc faut vraiment sniper tes roquettes, hein, c'est un peu relou. Au final c'est plus dur à jouer que... En revanche quand il y a un gunner, bon... Voilà, faut... parce qu'après il y a souvent ça qui va se passer, faut sniper quoi. Faut essayer de mettre des têtes à la roquette. Faut essayer de mettre des têtes à la roquette. Alright. Est-ce qu'on prendrait pas le... C'est quoi déjà le pseudo de cet hélicoptère là? C'est pas l'alligator, un truc comme ça? C'est vrai que ça ressemble à un putain d'alligator de... Ah, d'un Havoc. Ok, bon ça c'était un peu logique hein. Il m'a balancé une grenade sérieusement? Là tu balances 2 roquettes pile sur sa tronche. Il y avait un vieux jeu comme ça qui était où tu pilotais. Il y a eu une période où il y avait plein de jeux de simulation, de toutes les simulations possibles. Ah bah vas-y mec hein. Ah, tu vas te faire du free kill hein, je te le dis, c'est une partie à 30K ça. Tu l'as vu ou pas? Vas-y, je te le laisse. En revanche, faut pas que tu meurs. Faut pas que tu me... Est-ce que t'es bon? Est-ce que tu l'as eu? Duplo, il l'a eu. Duplo 80. Ça fait plaisir parce que... d'avoir un gunner qui se décarcasse. J'ai pas mangé donc c'est normal le blague de merde. De toute façon même quand j'ai mangé je pense que... C'est bon, t'arrives à faire des kills ou pas poulet? Ah je suis en train de tourner comme un enculé en même temps, vas-y. Vas-y, prends de la range, vas-y. Je te l'indique, je te l'indique. Il est là-bas. Non tu le vois pas. Voilà, fais-toi plaisir. Voilà, Duplo, tu fais des kills ou pas? Il a fait un kill. GG. Ok. Tranquille avant de tirer, tranquille, parce que tu vas overhit. Attends, j'ai un kill à faire, si ça te dérange pas, parce que j'ai un pote qui est en train de galérer là-bas. Avec un truc de merde, là, sûrement un chien au final. Là, là, tu le vois lui? Allez, défonce-les, défonce-les. Non, tu veux pas? Ah, il a sauté? Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi, mec? Mec, je te fais des free kills, quoi. God damn it. Il y a un mec qui est parti dans le tunnel, non? Merde, on pourra pas l'avoir. On ne pourra pas l'avoir. Pip, 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 pip. Ça me fait chier de tirer sur un Apache quand même. Par définition. Ah oh, je le rate en plus. Non je le hit. Ouais, c'est bon. Par définition. Oh là j'ai fait de la merde sur mes flares là. Ouh là 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 là. Hop là dans la montagne. Non pas dans la montagne. Non. Ah ouais plus encore c'est possible ou pas? J'ai envie de me garer en bas, c'est pas possible, il est trop gros. Ouais, il va falloir faire un régime. Avec le Little Bird, ça passe nickel. Là, je peux plus sortir en plus. Hein. Alors attends. Personne ne m'a vu. Le jeu est ambitieux malgré tout, des bugs encore heureux qu'il y en ait. Avec des potes, on a fait une liste de 35 bugs dans le jeu. Quand BF3 et BF4 sont sortis, c'était la même chose. Souvenez-vous des longs coups. C'était devenu un mime. D'accord. Donc pour l'instant je sais pas comment je vais faire. C'est chiant qu'on puisse pas rouler avec ce genre d'hélicoptère. Il y a des routes. Voilà. Oh, vas-y ils vont me casser les couilles, c'est permafocus. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, t'as que ça à faire quoi. En plus je suis en Havoc tout seul mon gars, je peux même pas me défendre. Vas-y bah viens. Et qui m'a dit tout à l'heure que le Little Bird était plus rapide que ça? Est-ce que c'est sûr? Toi, ce serait bien qu'ils mettent... Attends, peut-être que ça y est indiqué au final, tu vois. Vous pensez qu'à la vitesse 236, là, à droite, ça pourrait être des... nœuds. 218, 215, si on, je pense... Ah non, c'est l'altitude. Ok, on a l'altitude à droite. On a... Ah, mais la vitesse, attends. Elle est affichée sur mon HUD, non? Ah bah oui, c'est marqué à gauche, putain, je suis con. Donc du coup, attends, ça va à quelle vitesse cette merde là? 160, 180, 190, 200... 190... Oula. Bon, 200 le vent dans le dos quoi. 200 km/h. C'est la 200, j'ai une 206 de 2010. Ouais, fait 200 km/h tranquille. Genre sur l'autoroute avec une porte à 10% quoi. Je vais essayer de monter, de prendre de la vitesse. Faudrait voir combien ça fait. Après on verra bien de toute façon, jeu aussi lourd, ça sera toujours des... avec des soucis, c'est fixe pas d'avant. Et c'est fixe au fur et à mesure. Ouais non mais complètement. Et c'est surtout qu'en fait les personnes ont commencé à parler des... Tu vois des trucs du genre, vas-y je suis en train de faire des tests là, il me fait chier l'autre. Mec je veux pas jouer en fait moi. Juste faire des petits tests. Non mais c'est surtout que les gens, comme je le disais, on parlait de problèmes d'optimisation, etc., etc., tu vois. Enfin, ils ont parlé de problèmes en mettant tous les problèmes dans le même sac, ok? Genre les bugs, ok? Et les trucs du genre les artefacts, ce genre de trucs là. Il y a des trucs qui seront corrigés clairement par l'équipe du jeu, on va dire. Mais il y a aussi des trucs qui seront corrigés par les patchs Nvidia, quoi. Ils discutent avec l'équipe du jeu, hein, mais... Voilà. Pourquoi il se faisait tirer dessus, lui? Pardon, on retourne au... Oula, toi t'es dans la merde. Bon bah écoute, je peux pas jouer, hein. Je vais me faire un plaisir de te tirer dessus. Donc je pense qu'il y aura les optimisations, effectivement, comme tu le disais. Encore plus de hits, c'est possible ou pas? Je pense qu'il y aura les optimisations, comme tu le disais, du jeu. Enfin, il y aura les optimisations de la game team, quoi, en gros. Mais il y aura aussi les optimisations. Man, t'as que ça à foutre de tes journées, toi t'es nul là. On est en train de s'amuser, nous, on est en train de discuter là. Je suis en Havoc, je suis tout seul, je peux rien faire. Man, dégage! Allez. Voilà. Énerve-le. On peut pas discuter. Ouais, donc je disais... Ce soir, j'hésite sur mon achat de fin d'année. Battlefield 2042 ou Black 4 Blood? Les deux. Ils sont à combien les deux? Battlefield 2042 et Black 4 Blood est à combien? Ils se trouvent à combien? Après, l'avantage... Ok. Je pense que... Je pense qu'il faut mieux partir sur un BF. Parce que Black 4 Blood étant un jeu multijoueur coop, mais principalement basé sur une histoire. En règle générale, les jeux comme ça sont forcément des jeux qui vont se retrouver dans peu de temps à des prix plus attractifs. Très peu de temps. Un mois après leur sortie, déjà, c'est pas déconnant de les trouver à moins 20, moins 30%, etc. Et je parle pas forcément de sites un peu chelous. Hein. Non, non, vraiment... C'est cool quand c'est cool avec le Havoc là, je peux vous parler au moins quoi. T'es sérieux toi? Tu sais que je suis un truc anti-char à la base. C'est un peu le... C'est un peu mon rôle, tu vois, d'être là-dedans quoi. C'est un peu le... C'est un peu le rôle de cet avion. Je l'ai aidé. Je lui ai mis juste la petite roquette pour qu'il fasse son kill le mec. Vas-y, tu me saoules toi, tiens viens là, viens là. Alors, hop là. Ah, je le loupe, et là je mets un... J'ai toujours pas de gunner, hein. C'est ouf qu'il y ait personne qui vienne avec moi. Là je mets un... Ah non, c'était un avion en fait qui me faisait chier. Il y a un Little Bird à mes fesses. Heureusement qu'il s'est pas visé. Du coup, le assisté dans Left Shift là, j'essaie d'appuyer dessus depuis tout à l'heure, je sais pas ce que ça donne. Je sais pas ce que ça fait au final. Vas-y maintenant. Ah ouais, d'accord, tu lags en plus. Vas-y si tu veux bien. Ouais, c'est ça à faire. Le mec est à Babelwed maintenant. Ah, ils sont deux en plus. Ok. Pip 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 pip. Bon, c'était sympa le Havoc, mais c'est quand même mieux Little Bird. Hein. Pardon. Tu penses quoi d'Instant Gaming? Ouais, j'ai toujours du mal avec ce genre de truc. Genre, je préfère pas trop en parler. Voilà quoi. Pff, je sais pas. Parce que tu te dis bien qu'il y a... Tu sens bien le truc qui fait qu'à un moment les gens vont commencer à dire ouais mais attends on va faire de la publicité pour Instant Gaming et tout. C'est toujours un peu sketchy quoi, tu vois. La façon dont ils récupèrent les clés, on a toujours su que c'était à la limite quoi. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai déjà acheté sur Instant Gaming, j'ai déjà consommé du Instant Gaming, etc. Mais tu vois, de là en faire la promotion, par exemple, je l'ai jamais fait, quoi. Je pense que les maps vont rester environ 2 fois plus petites une fois le jeu sorti sur les versions PS4 et Xbox One. Pourquoi c'est le cas à l'heure actuelle? C'est ça le truc qui se passe? Hein? Vous avez... les maps sont 2 fois plus petites? Ah, j'ai pas vu que vous étiez quasiment 1000 en fait depuis tout à l'heure. Je suis en train de faire le blaireau là, en train d'être dans mon hélico. Merci les poulets, des nombreux, c'est cool. Merci en tout cas les amis, vraiment. Et n'oubliez pas, pour l'exclamation YT, s'il vous plaît, allez vous abonner à la chaîne YouTube où il y aura du contenu. Surtout, il y avait des personnes qui avaient demandé les settings, ce genre de trucs là. Voilà. Et on fera du contenu en fonction de ce que les gens souhaitent, hein, tout simplement. Tu veux nous faire un gameplay en avion? Impossible poulet, je ne sais pas jouer en avion. Non, non, vraiment. Et ça m'intéresse pas du tout. Vraiment pas du tout. Là, on peut passer... Après, je peux faire un petit gameplay à pied aussi. Dalam, dam, dalam, dam. Vas-y, bon, on va caper hein, s'il y a personne. Non, mais fais pas ça, toi. Fais gaffe. Ah, les gens qui rament sur les gens. Non, fais pas le con. Vas-y. T'as envie de faire le con, fais le con. Bon, il y a un mec en face. Il y a un mec en face, les amis. Je vous le dis. Ça fait bizarre de passer après un Havoc, j'ai l'impression que je sais plus piloter quoi. Il est où le gars? Il y a forcément un mec là, non? Ah oh, merde, j'ai pas pris les points là. Nanana! Vas-y, monte. Tu peux monter vraiment? Vas-y. Hein. T'es prête? On y va que en arrière, boulet. On va le faire vomir, les amis. Lui, il va se dire. Il est complètement con, le mec! Il est où le building déjà? Et voilà, c'est bon. Il a give up. En plus, c'est trop cool d'avoir un spotter, c'est trop facile après. Ouais, c'est parti, on va faire un carnage là-dessus. Ou pas. Ah ouais! Ah ouais! Ah oui, c'est vrai que l'avion, le F-35, là, il peut faire du stationnaire, effectivement. Ah, les avions vont être... Les avions forts vont vraiment défoncer les hélicos, ça va être propre, ça. Ça va faire vraiment des bons petits fights, je pense. Des bons petits trucs. Là, ils ont la suprématie. En fait, en règle générale, la plupart du temps, ce que je fais, ça va être... si tu sens que... Si tu sens que les mecs ils maîtrisent vraiment leur sujet d'un point de vue aérien, tu give up quoi. Oh non, fuck. Come on, stop, please. Wow, wow, wow. Aïe, merde, je l'ai pas vu. Let's go! Pardon. Non, c'est limité à 64 joueurs et map plus petite. Ouais, sur PS4 et PS5. Eh, je suis désolé, je lis pas le chat, quoi. Je suis vraiment tellement à donf. J'adore tellement le jeu. Il est vraiment cool. Vraiment. Il a pas l'air mauvais, le mec en F35, là. En plus, le problème, c'est que les avions à l'heure actuelle sont un peu pétés. Alors, quand les mecs savent les jouer, les avions sont un peu pétés. Dans le sens où ils laguent énormément, quoi. Donc, tu peux... En fait, dès qu'il y a un hélico ou un avion qui va se mettre loin, ça fait des grandes saccades. Donc, c'est absolument horrible, en fait. Absolument horrible. Et du coup, voilà. Là, va falloir faire tout petit avec un avion qui s'est joué. On peut pas faire autant de kills qu'on veut. la plaine. Oula. C'est quoi qui a tiré là? Le Osprey? Ouais, il est mort en fait, il y a eu un bug. Et on peut caper hein les amis hein. Let's go hein. Non? Ah non, je suis tout seul. Ah, ok. Je suis tout seul à cap. Ah non, il y a le bonhomme en haut là. J'adore les mecs avec les gros tubes, c'est vraiment trop stylé. Avec les bons gros stingers. Je les vois bien à 3 km les mecs. Ah oh, god. What? Oh c'est trop stylé. Je crois que c'est la première fois que la roquette démarre exactement sur le timing de la lose en l'occurrence. Ou de la win. Enfin du tableau Discord. BF4 pas aimé au début, adoré aujourd'hui. Ah ouais? Non, tu fais une généralité dans le genre BF4 n'était pas aimé au début et il est adoré aujourd'hui, c'est ça l'idée? Je sais pas. Hein. Moi j'ai bien kiffé BF4 honnêtement. En fait le truc c'est que il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que quand BF4 est arrivé, les gens ont été déçus quoi. Dans le sens où... Enfin c'est comme tout, tu vois, c'est comme un groupe de musique qui va révolutionner un truc. Et derrière, on n'a jamais entendu parler d'eux, c'est un succès instantané et forcément le deuxième album, c'est difficile de refaire un hit quoi. C'est difficile de refaire un truc parce qu'en fait, on est passé de rien du tout à une telle surprise que forcément les attentes sont énormes. Les attentes sont énormes, tu vois. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça par exemple que... c'est l'une des raisons qui fait qu'on n'a pas, eu de Left 4 Dead 3 ou qu'on n'aura pas réellement de Half-Life 3, tu vois. Parce que les attentes sont énormes et on en est à un stade où quand les jeux ont révolutionné vraiment le truc quoi, bah parfois c'est plus simple en fait de ne pas faire de jeu parce que tu sais qu'autrement il va forcément y avoir des déçus. En fait tu sais que tout le monde va être déçu, la majorité des gens vont être déçus. Et les gens ne sont pas majoritairement déçus parce que le produit est mauvais, les gens sont majoritairement déçus parce qu'ils le comparent par rapport à un truc qui n'est pas comparable. Et voilà. Je pense. BF4 a surtout souffert du passage après BF3. Oui, c'est ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et si les mecs en plus essayent d'être originaux, c'est ça qui est horrible. Regarde. Si tu essaies d'être original derrière... Ah, oh, ça fait plaisir de... Enfin une game qui n'est pas commencée quoi. Si tu essaies d'être absolument original... Donc c'est-à-dire que tu fais un truc, un jeu, un BF3, et tu essaies derrière de mettre la même claque à tout le monde. Tu es obligé du coup de ne pas faire un BF3.5. Donc tu es obligé de faire un truc de ouf, tu vois. Et souvent les gens du coup vont dire ouais mais c'est pas vraiment BF3 tu vois. Je sais pas, tu le vois partout ça, c'est un petit peu comme... Regarde les critiques par exemple. Tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire que par exemple, je sais pas moi, dans la musique par exemple, un album comme, je sais pas moi, Queen, ok, Bohemian Rhapsody. Tout le monde s'accorde à dire que c'était une musique exceptionnelle. Exceptionnelle. Tout le monde l'écoute, tout le monde la connaît, c'est devenu un truc culte. Regarde les critiques de l'époque quand ils ont sorti cet album. Regarde d'ailleurs le biopic sur la vie de Freddie Mercury l'explique très bien. Et tu le vois ça. Que en fait si les mecs essaient de révolutionner quelque chose, de toute façon les gens vont leur dire ouais mais c'est pas vous. Donc de toute façon, après un succès, quel qu'il soit, le truc que tu peux faire quasiment, la généralité que tu peux faire c'est, après un succès quel qu'il soit, tu l'as toujours dans le cul quoi. Tu vas toujours l'avoir dans le cul. Voilà. Parce que... What? Mais comment c'est possible ça, merde? Comment c'est possible? Il faut que je le vois en fait. Il faut que je vois d'où ça... C'est pas lui. C'est comment c'est possible? Yes, pas mal, mais pas trop réaliste par rapport à mon gameplay pour voir un BF2, 3, 4, 5. Les seuls boss, c'est Rockstar. Les seuls boss, c'est Rockstar. Rockstar, honnêtement. Est-ce qu'on se souvient, s'il te plaît, de... Moi, je suis pas un fan de GTA, ok, je suis pas... Voilà. Mais GTA 4 sur PC. Le jeu est sorti sur console. Un jeu, c'est pas développé sur une console. Les développeurs, ils sont pas à la manette, tu vois. Il peut être développé, il est développé pour une console, etc. Mais un jeu, c'est quand même fait sur une machine qui ressemble tous les jours dans un bureau. C'est quand même fait sur un PC, tu vois. Et quand bien même ça, quand le jeu est sorti sur PC, le jeu était injouable, dégueulasse. Genre, ça crachait tout le temps. Genre, on parle pas de 2-3 bugs comme là, tu vois. C'était dégueulasse. C'était un irrespect total. Le produit, il est pété, périmé. GTA 4. Et pendant très longtemps. Pendant plusieurs mois, sérieusement. C'était vraiment du foutage de gueule. C'était vraiment du gros foutage de gueule. Donc non, je sais pas, Rockstar, quoi. Après, peut-être qu'ils avaient toute leur thune dans la PlayStation, donc ils en avaient rien à branler. D'ailleurs, je pense que c'est ça la raison. Et ils en avaient strictement rien à branler des joueurs... Merde, je voulais aller là. Faire un peu de snipe, ça aurait pu être cool. Des joueurs PC, tu vois. Mais n'empêche que c'était un irrespect total. Un irrespect total. What? Qu'est-ce que tu fais, toi? Il s'appelle comment? Bordel. Ok, je vois rien du tout. Il fait des gauches, droite, droite, gauche, il est pas mauvais. Ok, toi tu vas où, toi? C'est vraiment juste pour avoir ce kill tout pourri. Oh, only in Battlefield. Et attends, il y a des gens qui ont... Ouais, non, mais je suis un pote, mec. Est-ce qu'on peut passer par là? Ah non, est-ce qu'on peut monter en char avec le truc? Ah non, c'est pas un... Merde, c'est pas un ascenseur. Non, dégage toi. What? Oh, j'aimerais bien jouer au Magnum. On avait dit qu'on jouerait au Magnum aussi. Peut-être pas penser de faire des gros kills au Magnum. Oula. Ça bug un peu, non? What? Ah ouais, d'accord, ok, ça c'est un truc, on peut pas, visiblement ça bouge pas. C'est pas les plots jaunes qu'on a sur le... Wow, 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 wow. Il a sauté le mec, non? Vas-y, je pousse avec mes potes là. Ah, je joue vise trop mal, ça se laisse tomber. Ok, faut se remettre dedans. Et on va mettre des têtes. Oh god damn it, je te vois pas avec la fougère là. Je sais pas si tu passes à droite ou à gauche. J'arrive. J'arrive. Thanks bro. On peut pas dire merci. Y'a pas la roulette de chat là. Oh là là, et mes balles c'est là. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Ah, c'est pas une tête. Ok, pourquoi pas. Okay. Ça c'est une grenade orange. C'est peut-être pas une tête à droite, mais c'est une grenade. Le Magnum est grave chiant. Il remet le chien en place à chaque tir. Ah ouais? Ah, c'est vrai. Faut que j'essaye, faut que j'essaye. Faut que je l'essaye quand même. Juste pour rigoler. Attends, on va voir. Eh, tu peux faire des kills de loin ou quoi? Attends, merde. Ah, du coup, je suis même pas habitué à prendre... Ok. En AP. Oh, vas-y, je suis en train de customiser! Touche master. Si tu appuies sur V avec le pistolet, tu peux tirer 3 balles par 3 balles. Je sais pas si tu savais. Ah, tu peux le mettre en... Tu peux le mettre en rafale, ouais. Le Glock, tu veux dire? Ouais, ouais. Bah, je trouve ça pas ouf au final. T'as vu la cadence que t'as quand tu le joues en mode normal, là? Alors, attends. On pouvait éviter de nous casser les... Tu sais ce que je veux dire? Je l'ai pas essayé du coup, mais tu peux mettre des dingueries ou pas? Ah ouais. Ah ouais. Non, attends, je le hit deux fois dans la tête, mon gars. C'est quoi cette blague? Il y a tellement de... Ça fait nos dégâts ou quoi? Avec la distance, j'imagine. Pourquoi je suis en infanterie là? Enfin en truc, en ingénieur. Oula. Je crois qu'il y a un hélico qui est passé. Ah je joue mal. Tout simplement. Ça sert à rien. Laisse tomber. Oh, putain, hier on colle que des dingueries, aujourd'hui je peux pas mettre une balle de snipe quoi, c'est ouf quoi, il y a des jours comme ça. Ça vous arrive vous aussi? De pas vous reconnaître parfois, d'une journée sur l'autre. Mais je customise. Personnellement j'adorais le côté relax des cartes peu remplies de BF4 sur All Gen à 12-12. Le passage à 32-32 c'est un autre univers, à la 64-64 tu veux dire. Ça c'est une tête pour moi ça. Après je sais pas où est-ce qu'il faut tirer avec ce viseur qui veut rien dire là. Apparemment le viseur le plus ridicule de l'histoire du viseur, on est d'accord. Vite vite. Faut être prêt, faut être loin, où est-ce qu'on peut faire des kills avec ce truc? C'est la guerre. Et tu peux pas rester en zoom au final avec ce gun. Tu peux pas... Ah si. Non en fait c'est moi qui essaie de faire des quick shots là. Ah, et en hip fire en revanche c'est bon. Ah, c'est chelou quand même hein. Mais c'est assez stylé, c'est assez stylé. C'est assez stylé. Je suis sûr il y a moyen de faire des trucs assez sexy quand même. Non? Tweet tweet. Ah c'est horrible parce que la lunette se barre du coup sur le côté, donc tu peux pas rectifier ton tir tu vois. Tu peux pas faire une espèce de tir témoin quoi. Dommage parce que c'est un magnum donc c'est quand même des trucs de ouf non? D'où c'est pas une tête ça, je comprends pas ça. Oh comment? On est en train de les défoncer là. Il y a combien? 750. Ah non pas du tout. On est en train de se faire retourner. Retourner. J'adorais le côté relax des cartes. Ouais. Mais le truc c'est que... Attendez tranquille hein. Il va y avoir d'autres cartes hein. Il va y avoir d'autres cartes hein. Il faut essayer ça. Faut que je mette des têtes avec ça. J'ai vraiment du mal avec ce viseur. Je suis le seul à avoir du mal avec ce viseur. Ah, je décale comme sur CH, je te jure parfois. Faut que j'arrête ça. Hein. Oh là là. Tu vois ça? La première, non, la deuxième, non, la troisième. Ah, il va falloir que je me chauffe. Ah, je me frustre. Je trouve les accords sur cette bêta dégueulasse. Mais attends, tranquille, à mon avis, il va y avoir une possibilité de customisation assez insane sur le jeu, hein, on va pas se mentir. Merci évidemment, Blackwood, merci pour les 14 mois de frais de scolarité payés. Merci mon poulet, merci infiniment à vous, vous êtes des monstres. Merci beaucoup pour les 14 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de cette Salty Academy. T'es un putain de monstre, sache-le. Merci beaucoup, vraiment. Vraiment hâte de refaire de la madame. Et si vous cherchez, point d'exclamation Discord, les amis, on va vous le spammer dans le chat. Si vous cherchez les teammates, n'hésitez pas à vous abonner. À vous abonner. À aller sur Discord, c'est ça que je veux dire. Voilà quoi. Et toi, coupe-toi dessus, poulet. Je la prends, celle-là. Tu veux pas mourir un moment? Ok. Je pense que tu veux pas mourir, tu veux pas mourir. Hein. Waouh! 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 C'est qui m'a mis ça là? Putain la vache, que au gunner là? Putain la vache, le tracking du mec, monstrueux. C'est trop fort en hélico, j'arrive pas à rien, même pas à renverser, pourtant j'ai des touches. Eh, c'est une question d'habitude hein, les amis. Persévérez, vous allez voir, ça va le faire, c'est easy. Easy peasy lemon squeezy. Easy. Persévérez. Faut sortir de sa zone de confort, regarde. C'est pareil là, avec le snipe, j'arrive rien à coller aujourd'hui. Eh ben, faut se forcer. Parce que l'assaut c'est simple, l'hélico c'est simple, on est bon. Le reste en revanche là, le snipe, il y a une journée sur deux. Ah ça va, ça va. Ah, je touche le pilote quoi. Ouais, c'est un peu piloté visiblement. C'est trop drôle les gens qui viennent tous là. Ah touché. Ah toi aussi tu m'as touché. J'arrive pas à voir le drop quoi. Mais passe pas devant moi toi putain, je lui tire dans le fion lui. Ah dammit. Le troll drone C4 marche. T'es sérieux? C5 du coup, t'as vu, ils ont appelé ça le C5. Bon après c'est un... ça existe un C5. C'est bizarre. On peut plus dire C4 quoi. On a tout changé les mecs. C'est plus un C4, c'est un C5. Oh god damn it. Vas-y tiens, viens me chercher. Hip hip. Non mais... Tu vois la sentry. On sait pas pourquoi, elle met 3 heures à se mettre, c'est horrible quoi. De temps en temps en fait, elle te met vert et il va faire l'animation et elle se cancel. Non? Je sais pas s'il y en a qui l'a... Après je la prends jamais, hein, c'est juste parce que j'ai fait de la merde un peu pour choisir le truc là. Ils sont où les gens? Ils sont pas là. J'ai pas le truc le plus optimal. Ah, sorry bonhomme. What? Comment? C'est horrible ce magnum avec le viseur. T'es obligé de mettre une tête, c'est obligé. Perso j'attends surtout de voir le mode hardcore. Ah ouais grave. Ouais carrément. Ouais. Parce qu'en plus, pas mal de gens se sont un peu plaints de la lenteur, enfin du TTK. Hein. Bon, à chaque fois qu'il y a un Battlefield, j'ai l'impression que les gens se plaignent du TTK forcément. Tout le monde s'en plaint. D'une façon ou d'une autre, les gens s'en plaignent souvent. Et là, pour certains, le TTK est un peu long. Bon, je trouve ça bien moi, personnellement, parce que c'est aussi, justement, Battlefield, c'est aussi à la croisée des chemins entre les personnes qui ont envie d'être justement hardcore et le casual gamer quoi. Et le casual gamer, il a pas envie de se faire saucer par un mec en hélicoptère qui, dès qu'il lui envoie une roquette, meurt ou 2 roquettes quoi. Là, il faut quasiment 3-4 roquettes hein, pour tuer un mec avec un hélico quoi. Un seul mec, hein, je parle. Après, bon, il y a du headshot ou machin, mais en règle générale, moi, j'utilise 3-4 roquettes par machin quoi. Et donc, au final, non, je pense que c'est pas si déconnant. Et du coup, ça permettra à des serveurs hardcore, justement, d'avoir une vraie légitimité, comme d'habitude quoi. Avec un TTK plus faible, avec un truc un peu plus entre guillemets réaliste. Bon, on peut pas trop parler de réalisme et de Battlefield, mais voilà quoi. Toi t'es caché toi. Regardez comme il est caché le mec. Regardez-le. Oh là là, je me fais KS mon truc quoi, mon kill. Waouh, cette petite antenne 4G. Là, ils étaient deux. C'est pour ça que j'ai envoyé toutes les roquettes. Battlefield. Il est où lui? Ah si. Oh non, je tire mal. Je suis con. Parfois c'est un peu bizarre parce que du coup le truc du milieu là, je sais pas si on peut changer la couleur ou faut faire un truc. Je sais pas si quelqu'un s'est penché sur le sujet, ça m'intéresse les amis. Sur le sujet du... est-ce qu'on peut changer juste la couleur du point au milieu du truc là? Du viseur. Parce que ça me perturbe entre les points et les points. Tu vois, 3 roquettes quoi, en essayant d'être précis, 3 à 4 roquettes quasiment. Ouais. On t'a vu, bonhomme. Hop là. Non. Oh, il me la colle du coup, parce que je fais de la merde. Ah non, il est mort. Quelqu'un l'a tué. T'es sûr que tu voulais me tirer dessus toi? Ah bah alors. Bah alors loulou. Je sais pas où ils sont les gens. Je pense qu'on les a tous tués en A. Je pense que le C est en train de se faire cap en rouge, ça c'est pas normal. Ah ok. Ce qui serait monstrueux, c'est carrément d'augmenter. Il doit y avoir un bonhomme par là, là. Planqué. Sûrement dans l'eau, en fait. Non. Il est où? Ah. Ok, il y a lui, là. Bah ouais, si tu regardes en l'air, le problème c'est que tu regardes pas devant toi. L'autre il était à 2 mètres de lui. Oula, ok, je vais m'occuper de ton cas, toi. T'as fait le mariole tout à l'heure. Oh non, ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux. Mayday, mayday. Mayday. Mayday, 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 mayday. Hop là, tu la connais celle-là, regarde. Hop là. Hop là, je repars en arrière. Salut, au revoir. Allez, ciao. Il est où le bonhomme là? Ah, il est là. Attends, il y avait un truc là, non? Ah, voilà, je le voyais pas, il est allongé. Pas le bonhomme. Enfin, je confonds avec des panneaux aussi, je te jure, c'est horrible. Quand on connaîtra tous les endroits de la map, ce sera vraiment cool quoi. On pourra plus se tromper entre les panneaux et les bonhommes. Tu tires sur qui toi? Ouais, hein. Oh l'enculé! Non. Comme quoi ça tombe vite, hein. Tu fais le con et tout. Il a très bien joué. Comment tu montes? Monte avec Z et S. Il me semble, hein. Je sais pas en fait. Je sais pas. Non, c'est Z et S, QD. Enfin, moi, c'est ZSQD quoi. Et après, la souris. Le truc, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé là ces derniers temps. On l'a essayé avant-hier et derrière j'ai adhéré tout de suite quoi. C'est de le mettre en FOV 100. Mais faites pour l'exclamation YT, je ferai un tuto de, si ça vous intéresse les hélicos. Oh non, commande. Ah, il meurt en fait. Il est là. Le mec il a pas envie de se montrer quoi. Oh come on! Oh y'a un mec en haut, non. Tu vois, j'ai envie de me forcer à faire du snipe pour faire que des headshots quoi. Que des headshots. Et j'y arrive pas quoi. Le drop encore c'est tellement... c'est tellement BF, c'est vraiment only BF quoi, tu vois, ce drop quoi. Et une fois que tu l'as hein, c'est pas dur hein, vraiment, hein. Faut juste se réhabituer quoi. Surtout quand t'as fait que du Valo ou du R6 ou des trucs comme ça, où les balles pour le coup sont bah ça tire tout droit. Pourquoi j'ai l'ingénieur, sérieux, c'est relou. Hein. Un mec en face. Là, ça c'est le premier. Et ça c'est le deuxième. Ah mais attends, ça te met le magnum sur tout le monde? Ah non, ça te met... Ah! Oh non, d'ailleurs je l'avais pas du tout. On a un recap? Ok. Le bâtard, bien joué. C'est cool aussi ça, le recoilless, tu vois, parce que c'est vrai que... Ça fait bizarre de pas avoir... Moi ça me fait bizarre de pas avoir le RPG pour le coup. Donc d'avoir la même chose, très puissant, mais avec un énorme drop absolument horrible. On est en train de gagner ou perdre? Oh, on est en train de perdre. Putain, ça se joue à rien encore. Putain, c'est des games de ouf hein, aujourd'hui. Hein. Vraiment des games superbes. Waouh! Ah, sorry poulet, mais là, faut qu'on gagne. Un clébard, putain c'est horrible, je me fais bait tout le temps par les clébards. Je suis le seul à me faire bait par les clébards ou quoi? Ah putain le caniche là. Je suis le seul à me faire bait par des clébards à chaque fois ou quoi? Perso je trouve la cadence de la M5 ultra lente. Regarde vraiment le setup que j'ai fait là, j'en reparlerai pareil, je ferai une vidéo là-dessus à mon ami si ça vous intéresse. Chargeur rapide, chargeur droit sur la M5, comme ça là, exactement comme on le voit là, en bas. Vraiment très très bien. Chargeur droit, bon le scope non on s'en fout, et la poignée à l'avant, et c'est tout. Et tu changes pas le... et rien d'autre au final. Et c'est vraiment bon, la cadence est vraiment bonne. Là où j'ai un peu plus de mal avec l'AK par exemple, on a combien de points? Ah c'est dur là. On a pushé ou quoi? Ils ont pushé. Nice. Merci Tomilito pour les 25 mois de frais scolarité. Comment ça va mon poulet? Bien ou bien? Tiens, bien à toi. Hélicoptère. Tu vois? Ah il faut peut-être que j'arrive à le jouer au final. Parce que c'est un mec comme ça là, il te fait une game. Il te refait une game. Un mec qui arrive à jouer un F-35 là, ou je sais pas. Je pense que c'est du F-35. Non, on a perdu. Oh là là. Et s'il est monstrueux. Merci Tomilito, t'es un monstre. Merci pour les 25 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Vous êtes des monstres les amis, sachez-le. Vraiment, ça me touche énormément. Du coup, attends les 2 secondes, je fais un petit alt-tab, blablabla. Voilà. Bah tiens, on parlait de Celeborn. Merci pour la clé, Poulet. T'es un monstre. Quel monstre? Je veux lui dire, quel monstre. Alright. Alright. Et n'hésitez pas à aller liker, commenter, partager. Si vous voulez du contenu sur YouTube, c'est simple. De toute façon, vous le savez, 90% de la thune qui est générée par YouTube sur le campus de la Salty Academy permet de payer les monteurs et les designers du campus de cette Salty Academy. Ok? Voilà. Donc, si vous souhaitez eh bien, qu'on crée du contenu sur YouTube, en fait, ce sera de, par rapport à sur du Battlefield, pourquoi pas. Tout dépendra du fait que ce soit intéressant. Et quand je parle d'intérêt, en toute transparence, ça s'appelle un intérêt financier. Pour pouvoir payer les personnes qui, justement, créent le contenu. Parce que c'est pas moi qui crée le contenu. Donc, n'hésitez pas à les liker, commenter, partager. Et du coup, si on trouve qu'il y a un intérêt, bah, clairement, on le fera. Ouais. Ouais. Je comprends pas, la M5A3 prend plusieurs calibres. J'ai l'impression, ouais, parce que le chargeur droit, je pense que ça doit être un truc un peu bâtard. C'est pas du 5.56, je pense pas. Je ne pense pas. Hein. Hop, 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 hop. Je me mettais là. Tac, tac, tac. OK, OK. Et OK. Let's go, on y retourne. Donc, n'hésitez pas. Merci infiniment, Babiroussa et NTO. Vous ont envoyé. Ils vont le renvoyer d'ailleurs le lien dont je parlais, à savoir de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager les vidéos. Surtout sur, celles sur BF, forcément. S'il y en a qui veulent du contenu sur BF, on en fera, quoi. Clairement. That's it. That's it. Et la semaine prochaine, ah non, je reparlerai après. Il y a eu un teaser par rapport à une compétition sur Rainbow Six. Il y a eu Spoit et Pengu ont fait un truc, j'imagine que vous l'avez vu. Donc voilà, la troisième personne en Europe, c'est moi. Donc d'ici la semaine prochaine, ou dans très peu de temps, il y aura un truc très sexy sur Rainbow Six avec beaucoup de thunes. Ouais, je dis ça comme ça. À gagner, pour vous. Moi, je ferai pas comme eux, en revanche. Je jouerai pas. Idem, le bullet drop au snipe est fou. J'ai repris BF5 il y a plus d'un mois et la différence entre les deux est insane. Salut tout le monde, alors ce BF, absolument génial. Vraiment, il est vraiment cool. Il est vraiment, vraiment cool. Tac, 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 tac. Ok, 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 ok. J'aime pas rejoindre des games en cours. Donc c'est un peu relou. Mais je sais pas d'ailleurs s'il y a du monde aujourd'hui. Mary est en train de lutter avec son micro, à mon avis. Ce qui reste de son micro. Quit. On va essayer de trouver une game. Il n'y a personne, quoi. L'AK-24 est pas mal. Ouais, mais l'ADS est lent. Et. Enfin, je sais pas. À chaque fois, je l'ai prise. J'ai pas kiffé. Et s'il y en a qui la jouent, vous mettez quoi comme accessoire? Si vous avez ce genre de questions, les amis, n'hésitez pas. Alors, les gens peuvent répondre dans un chat Twitch, hein, bien évidemment. Mais n'hésitez surtout pas à les poser, ces questions, sur... N'hésitez pas à les poser sur le Discord, ok? Si vous cherchez les teammates et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Faisons... Oh, c'est chiant. On doit rejoindre des games en cours, hein, je parle. Pam, 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 pam. Bon, et surtout à 695, quoi. 195 000, pardon. Pas 600 versus 95. Tout à l'heure, on a rejoint une game, instantanément, on a perdu, quoi. Après, le but du jeu, c'est qu'ils ont envie de remplir les serveurs, quoi. Je peux comprendre, honnêtement. Je peux parfaitement comprendre pourquoi est-ce qu'ils le font. C'est level combien, Six, sur le jeu? Non, mais le truc du level 100, on se sera jamais atteint, c'était une blague, hein. Franchement, je sais pas. Je suis level... C'est pas ouf, hein. C'est un clickbait, hein, les amis. Je sais pas, comment est-ce qu'on voit? Ah bah là, en bas à droite, non? 38, c'est mon level, non? Là. 38, c'est marqué en bas à droite. Voilà. Ah, voilà. Vous avez la réponse. 2 secondes, je commande à manger. Je vais me transformer en pad thai, c'est sûr. Ça fait 3 jours que j'en reprends. Ce qui me fascine sur cette bêta, c'est que tout le monde peut y arriver. Peut revive. Mais il y a encore moins de revive que sur les autres BF. J'avoue, il n'y a personne qui revive. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je le fais de temps en temps. Après, je pense que c'est pas vraiment le mode de jeu sur lequel tu as envie d'avoir un revive au final. Enfin, sur lequel tu vas en voir beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Par définition, je pense que sur des modes de jeu qui seront un peu plus stratégiques, tactiques, tu vas en avoir, quoi. C'est pas parce que le truc est implémenté que ce sera forcément le meilleur mode où tout le monde va l'utiliser. Donc moi, je l'utilise sur ce genre de truc. Après, là, tout le monde est en mode découverte, donc les gens savent même pas qu'ils peuvent revive, je pense, sérieusement. Et puis ils se disent, ils comprennent pas forcément l'importance du ticket, donc ils se disent, ouais, bah, quand tu meurs, tu donnes un ticket, tu t'enlèves un ticket, quoi. T'enlèves un point à ton équipe. Si tu revives, bah le mec est pas mort, donc par définition, tu n'enlèves pas ce ticket quand même. Donc je pense que les gens vont s'habituer, vont s'éduquer par rapport à ça et qu'il y aura plus de revive dans le futur. Premier point. Et deuxième point, je pense pas que ce soit le meilleur mode, le mode le plus représentatif pour avoir des tickets au final. Si quelqu'un a une explication, je la prends. Si quelqu'un a une explication, je la prends. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai tapé à droite, mais ça c'est normal. Mais après en revanche, je vais pas taper en haut, je pense pas. C'est possible. Parce que je m'entraîne toujours. Hein. Ça fait trop longtemps. Déjà BF4, ça fait... On l'avait dit, c'est il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans. L'hélico, les dernières fois. La dernière fois qu'on a joué à BF4, on l'a fait au mois de juillet, au mois d'août, pour justement se remettre un peu dedans avec la sortie à l'annonce de BF2042. J'ai fait 0 minute d'hélico, quoi. Donc la dernière fois, c'était il y a 10 ans, au final. Oh non, s'il te plaît. Laisse-moi reprendre mes HP. J'avais pas vu que j'étais encore avec le mauvais bonhomme, quoi. Ah, j'avais pas vu que j'étais encore avec le recon, là. Il me donne toujours le recon de base, quoi. En fait... Oui. T'arrives sur une game. Il faut vraiment qu'on fasse un feedback par rapport à ça. Je comprends pas en fait. T'arrives sur une game. Ok. La game est... T'arrives comme ça au final. Tu vas sur véhicule. Et tu cliques sur le Little Bird. Et il te file le Recon. Qui est le 3e de la liste. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une explication? Parfois c'est le 4e. Mais c'est rarement le premier, c'est rarement le 2e. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il en manque sur la map, il fait une espèce de répartition en fonction du nombre de trucs, parce que je serais pas étonné que tout le monde soit sur maquet. Il récupère les hélicos des parties précédentes pour faire des économies. C'est soit bugué, soit aléatoire. Pas aléatoire parce que je suis jamais tombé en random sur maquet en fait, tu vois. Je l'ai pas touché. Oh la burde. Lui il s'est fait son meilleur snipe. Je vais rester là, je vais être bien. Il manque un peu le côté construction d'ouvrages défensifs comme sur le 5. J'ai jamais vu ça moi. Je ne sais pas de quoi on parle. J'ai jamais joué au 5, j'ai jamais joué au 1. Quand je dis j'ai jamais joué, j'y ai pas joué une minute. Une minute. Je n'ai pas installé le jeu, j'y ai jamais joué. J'ai dû voir 2-3 vidéos et 2-3 gameplay quoi. Sur Twitch, et encore, et encore. Vas-y, je vais pas refaire ma connerie, mais j'ai envie de m'entraîner parce que le truc c'est que... Apparemment qu'à la sortie du jeu, j'arrive à le caler le truc dans... C'est ça que je veux faire. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est repartir en arrière derrière. Tout en arrière. Je le fais pas assez vite, c'est naze. Ah, c'est de la merde. J'y arriverai jamais, ce truc. Laisse tomber. Un jour, j'y arriverai. Un jour, j'y arriverai. Ok. Mais propre, quoi, parce qu'il est dégueulasse, quoi. Parce que c'est vraiment pas mal, je pense. Comme technique d'entraînement, au final. Comme petit entraînement et comme manœuvre d'évitement quand il y a un mec qui te suit, tu vois. Les mecs ils étaient en train de, je sais pas, ils sont en train de s'accoupler dans le corner là. Non, je veux pas mourir. T'as essayé quoi toi? T'as essayé quoi? Ouais c'est ça ouais. Ouais descends ouais. Ah non il est pas descendu en plus, il a les balls, il a les balls. Tu veux essayer? Tu veux essayer encore? Allez je te laisse une chance. Non? T'abandonnes? Ok. l'autre il a spawn sur son pote. What? Ça va être horrible ça, c'est vraiment le truc le plus horrible au monde quand quelqu'un te fait ça. Non, 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 non. Bon, ça passe. Ça passe, bien sûr. Lui, il est trop content. Et il se dit, je vais pas mourir. Bah si, en fait. Je vais aller dans le tunnel. Non. C'était nul à chier ce que j'ai tenté. Mais ce genre de truc là, tu vois. Vraiment d'aller me caler dans des petits endroits et de repartir en marche arrière, c'est tellement bon, quoi. Tu vois, quand t'es suivi, tu vois, de... Ouais, bah là, c'est pas possible, Orange. Et de repartir comme ça. Ça, faut vraiment que je m'entraîne. Oula, attends, on est jaune encore, il y a du monde là. Regardez. On prend les infos avant de dégager. Surprise! Oh, ça doit être horrible. Horrible. Pardon. Hey toi! Ça va? Ouais, hein. Ça va bien aujourd'hui. Tu veux sauter? Ouais bah non. Eh ben non. Les pauvres. Lui il est tranquille sur sa petite truc là, regarde. Et là il se dit... C'est bon, je suis planqué. Non, non, non. Oh là là, je fais de la merde aujourd'hui, je te jure. Ah, c'est une hécatombe en haut. Hein. Il y a le Havoc avec moi là. Oh, il y a du heal. Attends 2 secondes, je m'occupe de toi. Vas-y, cours, cours, cours. Il est en train de tout donner, il est en train de faire sa frag movie lui. Il est en train de faire tout le tour. Ah, le pauvre, c'était le dernier. Vas-y, let's go. Oh fuck! Abort mission, c'est l'anti-aérien, je crois. Hein. Je crois, hein. Oh, mais attends, mais c'est chez nous ça ou. Tu vois, c'est. Et sur console, est-ce que la minimap vous l'avez ou pas? Vous avez le même bug que nous? Enfin, la maximap en l'occurrence. Vous l'avez ou pas? You down. Ouf. Sorry, bro. La maximum, vous l'avez? Non, nada. Sur le bonhomme. Ah ouais, c'est sur moi au final. Fais gaffe à ça parce que s'il prend de la hauteur plus vite que moi. Et tes parachutistes ils sont où? Ouais hein. Il essaie de mettre une petite balle de snipe là, au passage là. Non, j'adore, j'imagine trop le mec qui tire dessus et qui se dit oh oh. Shit. T'as comme lui là en haut de la tour, vous l'avez vu ou pas? Salut. God damn it. God damn it. Qu'est-ce qu'il est en train de piquer? Le A1 là. Ça sert à quoi les deux cercles? Pourquoi est-ce qu'il y a deux cercles? Il est dedans. Dedans, poulet, il y a un mec, fais gaffe. Wow, wow, wow. Oh, j'ai envoyé mon X là ou pas? C'est un avion? J'ai peur des avions. Il me voit plus. C'est bon, il est passé. Il va se faire sa meilleure session quad lui. Oui mais ça n'arrivera pas. Vas-y meurs en revanche, non? Ah, oh c'est pas moi qui le tue, putain, je me fais ninja mais... What? Man, reste one tap. Il est où lui? Non, c'est pas lui. Non, peut-être pas. Si, c'était lui. De derrière? Oh fuck! Il est où lui? What? De devant, de derrière, il est où? Ouais, j'ai fait de la merde. Ah. Attends, je comprends pas parfois le truc là, le threat marker, vraiment. Le truc jaune m'indiquait que ça venait de... Ah mais je suis américain, merde, putain, je me disais, je me baladais chez eux en fait. J'étais là. Ah, je suis vraiment trop con. Ok, ok, ouais, c'est bon, j'ai compris. Ouais. J'ai compris le pourquoi du comment. Tu vas mettre du gameplay hélico sur ta chaîne YouTube, Six? Oh, c'est possible, ouais, si vous voulez. Hein. Comme je le disais, en fait, hein, vous le savez, les monteurs du campus, les designers du campus sont payés avec la thune de, que générée par YouTube. Hein. Voilà, comme ça, vous avez le... Vous avez une certaine transparence là-dessus. Donc, tout dépendra des likes, des commentaires, des partages que vous pourrez créer chacun. Plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus il y a de views, plus il y a de views. Partons du principe, imaginons. Demain, on sort une vidéo sur Battlefield en hélico, etc. On s'aperçoit que la vidéo, elle fait 100 000 vues. Ok? Je dis un chiffre totalement stupide. Hein. C'est obligé, derrière, on va se dire, bah, on est obligé de le faire. On ne peut pas ne pas le faire, en final. Merci en tout cas, Maz TV, pour les 5 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de cette Salty Academy. T'es un monstre, poulet, vraiment. C'est quoi TTV? C'est les personnes qui sont sur Twitch, non? Genre c'est ta façon de... Oula. Ouais c'est de la pub. Ok. Je pensais que c'était des personnes en fait qui bossaient avec le truc Better TTV au début. La meilleure grenade de l'histoire de la grenade. Oh merde, il est mort. Je suis sûr, elle était belle. Pas du tout. Elle était... Non mais les grenades c'est n'importe quoi, non, sérieusement. La grenade était totale flinguée quoi. Elle part à Babelwed. What? Vous l'aviez vu vous aussi? Je crois qu'il y a un petit problème de réverbération. RTX on. Hop là. Attends, ça se trouve le truc est matérialisé au-dessus de nous, mais il n'existe pas, donc dans tous les reflets on va le voir. C'est ouf quand même. Ah oui c'est vrai que tu gèles ici. Et d'ailleurs si moi je gèle, est-ce que l'eau ne devrait pas geler à partir d'ici? C'est vraiment mal fait. Hein. L'âme de l'hélico qui te hante. Poudlard dead. Oh. Ok on l'a vu au fond là-bas. Je sais sniper, regardez. Et voilà. pas lui. Putain, je pensais que c'était lui qui m'avait tiré dessus. Okay. C'était un mec qui était tranquille en train de prendre son aim là. Magnifique. Je me serais dit magnifique autrement. En gros, pour changer le canon, c'est là, puis la touche pour recharger carré de base. Hein, quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'on a dit là. Ce qui a été dit. Time to reload. C'est dur parfois de voir les bonhommes. J'aimerais bien un sondage d'ailleurs dans le chat là. Vous êtes quasiment 1000. La bêta, tu vois. Genre satisfait. Oh le petit ding là. Après ton petit headshot toi. Genre un truc du genre satisfait. Très satisfait. Enfin très satisfait. Satisfait. Insatisfait, très insatisfait. Voilà, c'est vu qu'il y a 4 choix, j'étais en train de chercher un truc vraiment faire et balance. On va balancer ça par là-bas parce que j'ai envie de le faire. Pas du tout. Ah, parfois les grenades, je les comprends pas. Le. Est-ce qu'il y a un truc qui fait qu'elles partent plus loin Il y a un truc qui fait que tu partes plus loin. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'elles se coupent ou pas Non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Ah bah voilà. Franchement, moi je suis assez satisfait. Attendez, il y a quelqu'un qui va faire un sondage. Si, mais. God damn it. C'est tellement inutile. Merci infiniment, Go Wipe! 7 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. T'es un monstre, poulet. Merci beaucoup, vraiment, ça me touchait énormément. Ah, mais j'ai l'impression que t'es pas la seule personne à avoir dit ça. Ouais. Au niveau de l'optimisation, que c'est un petit peu le couac. Je suis halluciné parce que tu vois, en règle générale, c'est comme je le disais sur Tarkov, tu vois. C'est un jeu où avec une putain de config, tu vois que c'est mal opti, tu vois que ton PC il galère, tu vois. Et je me dis, oh, ok, bon alors ça, clairement les gens qui ont des petits PC, ça va être la merde pour eux, quoi. Mais Battlefield, c'est pas le cas. C'est-à-dire que moi, bon, à part les artefacts à la con, il n'y a pas de baisse de performance, quoi, tu vois. En haut à droite, ça reste dans le vert, quoi. Mais je sais pas. On peut monter à 2 là-dessus? Ah ouais. Ah, on peut shooter en plus. Nice. Désolé. Non, on peut rien faire. À part shooter. Franchement, moi je suis assez satisfait. Il y a un sondage qui peut être fait, les gros ratounes? Les surveillants, s'il vous plaît? Qui s'en occupe? Quel surveillant est dessus là? Faut me dire. Non! Alright. Pas moi. Ah ouais, bah, j'attends. Gros Atoum, t'étais là il y a 2 secondes dans le chat. Qui est-ce qui s'en occupe, poulet? Ah bah Origine, c'est de la merde. Bah y a pas mal de gens qui se plaignent d'Origine. Passe-moi Modo si jamais. Alors, on va sûrement en recruter, je pense là. Hein. Babiroussa, tu viens de supprimer le message de 16 Bubu, ok? Donc t'es dans le chat, t'es un surveillant. Ah, ça fait 10 minutes que je suis en train de demander à Gros Ratoon c'est qui est-ce qui gère le sondage qu'on a demandé. Faut juste me dire, t'inquiète, on est dessus. Je sais pas ce que je veux dire. ça, on le fera dans 10 minutes quoi. Après on n'est pas pressé. Et c'est juste que je demande et on je parle dans le vent là. Tu peux le faire ou pas? Oh, je fais de la merde. Ouais. Ouais, ouais, carrément, à la sortie, quoi. Quel sondage voulez-vous? Non, non, non. Je veux que Gros Ratoun m'explique pourquoi est-ce qu'il est là dans le chat, pourquoi est-ce qu'il répond pas. Déjà. Essayons de résoudre un problème après l'autre. On demande un sondage. S'il ne peut pas s'en occuper, qu'il me le dise. Ratoun est parti donner à manger à sa fille. Ah ok, d'accord, il est parti pile sur le mauvais timing, pas de problème. Du coup le sondage c'est juste de savoir, on disait qu'est-ce que vous pensez de la bêta de... D'accord, ça s'est passé au moment où il y a eu le changement de shift comme on dit chez les survivants. Vous comprenez pas. Globalement, cette bêta de BF 2042, vous êtes très satisfait. Pas satisfait. Ok, ça je le prends en manche. Non. Très satisfait. Insatisfait, très insatisfait. Voilà, avec une légère, avec une certaine symétrie. Là on a un bon truc. Est-ce que tu t'en occupes, t'es dessus? C'est bien ça. T'inquiète. Oh non, il va me gagner à cause de ça. Ah, je le vois plus. Je le vois plus du coup. Ah, faut que je réponde à ce truc. J'arrive, bougez pas. 2 secondes AFK. Cherche à manger les amis, j'arrive. is won. Je suis là les amis, désolé. Alright. Désolé, j'étais parti chercher à manger. J'étais plutôt fan de BF5, surtout avec la guerre du Pacifique. J'ai pas joué au 5. J'ai pas du tout joué au 5. Pas du tout joué au 5. Du tout, du tout. En tout cas, merci infiniment. Merci GooWipe pour les 7 mois de frais de scolarité. Merci de la trouille pour les 17 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de cette Salty Academy. Merci beaucoup Poulet. Merci Maz, TV, 5 mois de frais de scolarité. Tominito, 25 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres, vraiment. Alright. Non, 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 non. Non, non, non. Personne n'a voté ça. Il y a eu le sondage? Du coup, j'ai pas vu. Il est tombé avec le mauvais timing. On va couper cette musique, même si elle est sympa. Oui. Ah, et c'était quoi le nombre de votes? J'ai pas vu du coup. Vas-y, attends. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Satisfait. Ouais, ouais, bah j'imagine que les gens... Moi, c'est pareil, hein, satisfait. Hein. C'est entre satisfait et très satisfait. Après... Après, je me connais. Après, je me connais. Vas-y, je vais quitter ce game qui vient de... qui est déjà fini au final. Je me connais, franchement. Si l'optimisation avait été absolument dégueulasse sur le jeu, ok, si j'avais eu plein de crashs et des trucs comme ça, j'aurais dit vas-y, c'est de la merde. J'aurais été dégoûté et j'aurais très certainement dit ouais, bah merde en fait. Voilà quoi. J'aurais eu du mal à me dire ok, c'est normal, c'est une bêta, blablabla, blablabla. Je peux pas mentir, si le jeu avait crash et tout sur un PC qui devrait pas, sur lequel ça devrait pas arriver, je pense que je l'aurais eu mauvaise, vraiment. 12% d'insatisfaits, 11% de très satisfaits. Ouais, ok. Merci Babiroussa. 6% de très insatisfaits. Satisfait, mais il y a encore quelques petits trucs à régler. Ouais, ouais, complètement. Non mais ça c'est normal. Ça c'est normal. Ça s'appellerait pas une bêta sinon. Oh god damn it. Rejoindre des parties en cours. Sur lequel je peux même pas comprendre mon petit hélicoptère. Après quelqu'un demandait d'autres styles de gameplay, on peut faire quoi? Vous voulez faire quoi? On a fait du snipe, on a fait de l'infanterie. Du coup today si tu veux. Today si vous voulez. Alright, je l'envoie aux différents endroits où il pourrait y avoir des gens qui pourraient venir. Ok. Voilà. Ah, j'ai dit exactement la même chose devant mon PC. Ce serait pas une bêta sinon. Ah ouais? Ah, ce serait pas une bêta sinon. Ok, vas-y, mais 455... Mais c'est horrible ces games en cours là. Mais bon, je comprends. Vous pensez qu'il y aura des ranked... Enfin, franchement, honnêtement, vous... Enfin, dites-moi comment ça se passe sur BF5 au final. Deviens boom booms. Dites-moi comment ça se passe sur BF5, parce que j'y ai pas du tout joué, quoi. Est-ce qu'il y a des ranked? Est-ce qu'il n'y a pas de ranked? C'est quoi les modes de jeu? C'est quoi les différents trucs? Je n'y ai jamais joué. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Intéressé, pas du tout. En termes de quoi? Est-ce qu'il y a des ranked? Est-ce qu'il y a des rankings? Est-ce qu'il y a de la MMR? Est-ce qu'il y a un mode histoire? Est-ce qu'il y a une story mode? Ok, merci de m'interrompre. Oh, une game pas commencée. Si, elle est commencée. Oh, si, non, elle est pas commencée. Alright, let's fucking go, guys. Let's fucking go. Et n'oubliez pas, point d'exclamation YT, les amis. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. On fera du contenu si vous le demandez. Et il y a déjà du contenu sur... Il y a déjà du contenu sur le jeu. Des petits tutos, des petits trucs sympas. Voilà quoi. Alors là, faut pas se mettre là parce qu'il y a toujours un blaireau qui passe avec son char, je pense. Autant se poser là. Ça, ça me permet de mélanger mes pas de taille. Désolé poulet. Et t'avais droppé un de tes potes je pense, non? Il est où? Il est où ton ami? J'ai pris quoi là? J'ai pris quoi les amis vous pensez? Il me suit l'autre? Est-ce qu'il me suit le Little Bird? Oula, y'a un quad derrière. Oh fuck! Non, je fais de la merde! J'ai mon plat de pad thai qui me bloque, le tapis, je suis vraiment une merde. Oh, une brindille, un oiseau, tu penses ça? Oh, je l'ai piloté comme une merde. Désolé pour la bouche pleine. Ils font quoi? Non mais ça... Non. Ah carrément. J'ai l'impression d'avoir des baisses de FPS par rapport à hier. Un peu chelou quand même. Ah, je suis encore en ingénieur quoi, c'est relou. Hein. Pour Dieu, c'est quelle raison au final? Ça n'a aucun sens. Ah, forcément, on se fait complètement camper.